Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Twitch. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Ce soir, c'est la Jean Guild. Ce soir, on va jouer, je pense, j'en sais rien en fait, c'est jamais à l'avance. J'ai mis Sea of Thieves parce que la plupart du temps on joue à Sea of Thieves, donc j'imagine qu'il y a, enfin, je sais pas, peut-être ça va changer, hein. Mais j'ai anticipé. Allez, c'est en train d'être lancé. Bon, dans le doute, j'en prends une, je fais le tour de l'île. En attendant que ça arrive. J'ai juste changé la... On va mettre Sea. Merde, Sea of Thieves. Voilà. Putain, c'était abusé le nombre de caisses de stock qu'on avait. Ah ouais, c'était génial. Bon. Je fais le plein de l'île. Pas le plein de la caisse de stock. T'as pris la caisse de Sto, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est la première sur les 18 qu'on va avoir. Ouais. C'est la plus importante. Ouais. En vrai, on s'en passerait presque, quoi. Bah, ouais, mais faut les trouver après. Mais ça dépend ce qu'on fait comme game. C'est pas faux. Parce que la dernière fois, on a fait des games où on a visité plein de deals. Donc on a vu plein de caisses de Sto, mais si tu fais pas de deal... T'auras pas de caisse de Sto. Bon, allez, je vote Reaper. J'arrive. Un deuxième vote. Et puis on est hop, bon. Hop, moi je suis là. Tu vois, on fait quoi, Flamert ou... C'est quoi déjà pour... Ah ouais. Les rouges. Non, non. Bah si. Mais pourquoi notre bateau il est vilain? Diane. Tout le monde est mort? Comment ça, tout le monde est mort? Je vois Yann, on t'entend. Ah plus, putain, Yann. Faut être Athéna pour faire ça. Tu m'entends plus? Faire quoi? Si, si, je t'entends. Voilà. Ah ouais, ok. Donc quand tu fais la bataille des mers, tu oui. Te mets soit Reaper pour faire les squelettes, soit Athéna pour faire les. Comment ils s'appellent? Les gardiens de la fortune, ouais, logique en même temps. Bon bah du coup on va faire serviteur de la flamme. Ah bah oui, serviteur de la flamme si tu veux faire le... Ah c'est en fonction de quel ouais. Truc... Ah je savais pas ah, ça. Ouais. Est-ce... Tu peux pas... Tu peux pas faire les deux. D'accord, je pensais que tu choisissais. Bon après tu changes juste ton... Arquebus de déglingo. Bon bah allez. On va faire ça. Ici la caisse de Sto, on la garde. Bah, la prochaine game, on essaiera de faire un petit peu de provision. C'est plus joli comme et ça. Je vais mettre un skin. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à bloquer une putain de customisation de bateau. Ça se paye. Enfin, ouais, je sais plus comment faut faire. Je suis prêt à payer. Hein. Mais putain. Ah le mec qui est blindé. Moi je crois que j'ai beaucoup de thunes dans le jeu. T'as combien? J'ai 1 800 000. Ah pas mal. C'est pas mal. Oh non, t'as niqué ma config. J'ai acheté plein de trucs. Oh, j'ai laissé ta figure de pro, elle est trop cool. Ah t'es plus jeune. C'est laquelle? C'est l'espèce de quoi? Démon, ouais, un démon. Le yokai là. Un démon japonais. Avec un katana, je crois. T'as trouvé ça où? Bah, je sais pas. Je l'ai acheté, je crois. Nice. Il a les moyens. Bah, il a 1,8 million, il t'a dit. Mais putain, moi j'ai 3 millions, ouais. J'ai que 3 millions. Putain, vous êtes blindés, les gars. Après, le gars, il te dit, ouais, mais comment on fait pour avoir un bateau? Comment on fait? Bah, en fait, il suffit de dépenser tes sous, quoi. Ça la radasse. Ah putain, mais elle est trop cool ta figure de proue, tu l'as trouvée où? Ça, elle est trop bien hein.
Elle est trop belle. Bah elle est à Aurel celle-là. Je l'ai jamais vue. 1. Enregistrer un objet sur le navire. Marche pas. Arrive pas. Je suis dégoûté, j'arrive pas à me faire une putain de config. C'est pour le laisser comme ça pour les fois d'après ? Ouais. Bah allez, on s'arrache. Ouais. Bon, tout de suite dans le PVP, les gars. Hein. Bah allez. Je suis au canon, Mickey à la barre, Aurel en flex. Ouais. Et puis tout se passe bien. Super flex. Mick, si alors, tu, comment qu'on fait si tu communiques autant que la dernière fois, ça sera impeccable. Alors, hop là, une petite danse, mois, parce coup. Que je suis hyper flex. Ouais, c'était plutôt bien. Ah, regardez qu'est-ce comme tu flex. On a changé la déco là, casse-toi. J'ai changé ma figure de... ma barre. Ouais, tu t'es mis ta barre pour naviguer, je comprends. Mais celle-là, je sais pas où je l'ai chopée. Elle est cool. Ouais. Ouais, cool. Je savais pas que j'avais ça. Bon bah allez. Bon bah bon chance ce mec hein. Bon chance. Ouais. Que le sort puisse vous être favorable. Merci. De toute façon, s'il y a quelqu'un à sacrifier, on sacrifie l'éponge, on se met d'accord. Ok. Hein moi, on fait comme ça. On vous donne l'éponge, il est trop nul. Faut voter pour serviteur de la flamme. Faut voter. Ah ouais. C'est le sablier qui est dans l'eau à gauche. Dans l'eau à gauche, ça? Non, pardon. Ouais, à gauche sur la table à gauche. Ok, c'est bon. Voilà, comme ça on a la carte. Après on peut. On peut ouvrir la carte. Et impossible déjà. Un navire rival se trouve à proximité. Il y a un navire rival à proximité ? Super ! Ça commence bien. Est-ce qu'on a des canons ? Et normalement, si tu regardes ta figure de proue, elle a changé de couleur. Elle a une aura rouge. C'est quoi la figure de proue ? C'est le truc qui est devant, ton chinois, là. Ah ouais, ah ouais, je vois. Et ils vont kiffer les japonais s'ils regardent, tu les traites de chinois. Ouais, j'avoue. À gauche, il y a un sloop. Ouais, mais là, de toute façon, on va plonger. Bah non, parce que c'est écrit, on peut pas plonger tant qu'il y a un mec à proximité. Ah bon ? Bah c'est ce qui... Ah là là, oubliez faire du PVP, on va faire du PVP. On est là pour être la terreur la terreur de la map. Les licornes, ils appellent ça massacre de serveur. Ouais, bah je sais pas si on va faire un massacre de quoi que ce soit. Licorne. Ah, massacrez-nous hein. Vous avez des boulets de canon au moins? Ouais. Il en faudra pas 5 hein. Attends, je regarde sous les allumettes. Bon, je rajoute un 6ème. Aurel, tu prends les canons de devant, je prends ceux de derrière. Très bien. Utilisation de voile, on file sur les gars. Là, il y a du monde à gauche hein. À bas bord, il y a du monde. Non, à droite. Ah, il y a du monde en face aussi. Juste en face de nous, il y a un bateau. Ouais. Non, elle est pas bonne. Il est juste en face. Ouais, juste en face, c'est lui qu'on vise. Ok, parce qu'il y en a, il y en a aussi à bas bord, derrière les îles là-bas. Pendant le PVP, Mick, on lève la voile à l'avant, tu gères la voile arrière. Ouais, que l'arrière, okay. Ouais. Ok, parfait. Coucou la sloop. Je sais pas si on peut leur parler, normalement si, mais faut la réactiver quoi. Ouais, tu prends le haut-parleur. Le mégaphone. Ouais, mais moi je crois que j'ai désactivé le truc pour parler dans le jeu. Ah, je pense pas que ça marche. Et donc, ah non, coup, c'est l'inverse. Faut qu'on se prépare. Hello pour les canons de droite. Je sais pas pour l'instant. Bonjour. C'est les voiles à fond à droite. Allô. Hola, comment estás? On est des gentils. Putain, on les rattrape de ouf. On va leur péter le cul. Allez. Les voiles font pas gonfler. Non, on peut pas. On est au max? Non. Ouais, on est au max à gauche. Merci. Ça rase. Et c'est un sloop en plus sur le truc de départ, le spawn de départ. Ouais, c'est une sloop. Faut se gaffer du coup dans l'eau là, parce qu'ils vont pas tarder à vouloir nous aborder à tous les coups.
Ouais, si ils savent jouer. C'est une sloop aussi là-bas. Pas d'allégeance, de rien du tout. On va voir ce que ça vaut. Ouais. Vous avez pris Peupon Sniper ? Ouais. Ouais. Nice, trop bien. Aurel, je te rappelle, en touche rapide, si t'appuies sur C, ça te donne les boulets de feu et boulets du chaos. C'est hyper pratique. Putain, ce bâtard. Il s'est mis face au vent. Comment ? Une fois que t'as utilisé tes deux armes et que c'est trop long de recharger, tu balances ça et ça permet de finir le gars. J'hésitais de t'en balancer une dessus, mais... Non, mais là, du coup, garde-les. Hein. Si tu veux, on peut se snipe. Voilà. On avance plus, là ? Non ? Ok, je crois qu'on se tapait un kraken. Tu dis s'il y a besoin d'optimiser. Ah, putain, optimiser. Mais là, on est face au vent, ce bâtard, il sait où il va. Hein. Ouais. Là, je me mets sur la proue pour voir s'il est pas dans la flotte. On les entend si on... Ah putain, j'ai pas pris mon singe. Oh putain, mais t'as vu où ils sont, Yann ? Ils sont en train de faire le... Il y a du monde à gauche. Il hein. Y a un autre bateau. Ils font un fort ? Le fort ? Ouais, il y a un autre bateau sur le fort. Ils font le gros fort ? Bon bah... Il y a deux bateaux. Ils teasent. Bah, je pense qu'ils vont essayer de se faire le bateau qui est sur le fort. Peut-être ils nous ont pas vus. Non, si, bien sûr. Oh, on a pas de rétroviseur. Oh putain, y'a un keg. Ah merde. Merci Yann. Ouais, super. Y'a Aurel qui me bouchait la vue. Ouais, j'aurais dû le tuer tout à l'heure. J'aurais pas dû hésiter, Mick. Vous êtes sérieux ? T'as abusé, t'aurais pas dû me dire de... Vous êtes mort ou pas ? Non, moi je suis pas mort, mais c'est tout comme quoi. Il m'a tué la moitié de ma vie et je suis dans l'eau quoi. Bon, j'arrive. Oh bordel, on est déjà en train de couler. Eh oui, j'ai vu. C'est bon, je suis là, j'ai cop. Ah super. Bonne ambiance. Putain, mais on est vraiment des bolos. Faut réparer. Putain, ça, c'est la violence là, le cul qui le keg, le keg ça casse tout. Hein. Putain, on se fait attaquer. C'est toi, connard. Oui, c'est clair. Ah, mais vous êtes con. Attends, vous croyez qu'on est passé dans la merde? Là, les deux sloops ils se battent. Ah, c'est bon, là on a tout réparé, non? Il y a encore des fuites. Ah, hein, non, putain. Le mât. Il y a des trous de tous les côtés. Ça, on passe pour des blaireaux avec le mât en bas. Hein. Vous avez tout réparé déjà là ? Et répare le mât à l'avant ? Nickel. Il y a un gars qui a pris feu, je pense qu'il est en train de se faire défoncer pour qu'on attaque l'autre. Le bateau était trop neuf. Bah là, il est bien. Hein. Putain, il l'a coulé déjà. C'est la voile rouge. Il a l'air beaucoup plus fort que la voile noire. Vous êtes prêts pour la voile rouge ? Attends, il y a encore de l'eau dans la cale. Non mais vous êtes sérieux, vous avez pas encore eu le temps de réparer ? C'est bon. Ah, normalement, il devrait réparer tout seul les dégâts vu que c'est lui qui les a causés. Mais c'est pas moi qui causais les dégâts. Mais non, ah, c'est qui ? Mais c'est toi, Michel, qui était sur la proue, tu nous as rien dit, j'étais derrière toi. Pourquoi vous étiez l'un derrière l'autre alors ? Bah moi, je voulais être à mon poste et il y a Michel qui était devant, je voyais pas tout. Bah tu lui dis de se bouger. Et au dernier moment, boum, des tonneaux, keg. Bon bah voilà. Attention, ça tire. À gauche. Bah, à côté. Oui, mais bientôt ça va pouvoir tirer dedans. À gauche, gauche, gauche. Vous allez pouvoir tirer dans pas longtemps normalement. Ouais, okay. Ça vise. Ah, il s'écarte, repart à gauche. Ouais, t'inquiète, j'arrive. Et là, vous devriez pouvoir tirer là. Ouais. Allez, boum! Vous me dites quand, si vous avez plus l'angle. Ouais, pas bon là. Non, pas d'angle. Là, vous devriez l'avoir. Là, c'est pas trop mal. Vous êtes au-dessus. Putain, c'est un peu au-dessus quoi. Pas grand chose hein. Trop au-dessus. Ah, c'est bon, ça passe. Touché. Ah, ça va faire des trous là. Bien joué. Ah, puis il a pas l'air bon. Je suis pas bon là, Mick. Ouais, ça arrive sur nous. Je reviens. Ouais, mais il nous vient dessus en fait. C'est bon, c'est sur le pont. C'est dans la cale. Ah, il m'a tiré dessus, il m'a tué. J'ai besoin de res. On est tous morts. Oh putain. Sérieux ? Ouais, c'est aussi.
Mais son sloop il est mort. Hein. En même temps, vous avez tous balancé des boulettes KO et tout, pas pu survivre. Hein. Mais on peut pas survivre avec les boulettes KO. Bah ouais, mais moi je suis arrivé en bas, j'ai été buté par un boulet du KO, c'est pas le gars qui l'a lancé. Ah bah si, il en a lancé. Moi il m'a buté avec un truc du KO. Bah si on est en mêlée. De lancer des boulets. Ouais, en mêlée on fait pas. Si on est tous là, on a tous crevé d'un coup. Moi il est toujours sur le bateau ou quoi le gars? Ouais, il est là derrière. C'est bon, il est mort. Il est mort. C'est bon, il est mort. On répare. Et du coup, on l'a coulé ou quoi? Je sais pas. Je sais pas, non plus. Bon, je repars en bas avec un coup. Ah, c'est en train de cramer sur le pont. C'est bon, c'est réparé. Ah, je suis en flamme là. Ouais, je sais pas. Je t'ai balancé un seau d'eau sur la gueule, du coup. Là, c'est bon, on a plus de fuite déjà. Bon, on va y retourner. Bah ouais, je sais pas s'il a mis la... l'ancre. On est ancré. Ouais, on est ancré, on est ancré. Faut se dépêcher, ils arrivent sur nous. Bâtard. Voilà. Ok. Et canon. Oh, bien joué, ça sent le boulet bouche, ça. On va être trop vite. Oh putain, il est là. Il est où? Mais je me faisais tirer dessus à l'épée. Il est où? Ah, il est là. Je vois rien dans le nord. Moi non plus. Je suis mort. Ah, il est... C'est trop gros. Ah putain, mais il meurt pas. Il est dans l'eau. Il est remonté. Il est mort. Toi qui es dans l'eau, Yann? Ah, c'est moi. Relevez la voie à l'avant si vous pouvez, quand vous avez un moment. Parce que on va trop vite. Je lui ai mis un bon coup de peupon à ce bâtard. Ouais, j'ai essayé, mais putain, on n'a pas assez de nourriture pour se retaper. Attends, parce que moi, je vois un bateau, là. Je vais essayer de l'aborder. S'il se barre pas. Mitterra là, parfait. Oh putain, on coule. Ah mais non, il se barre, putain. Moi, il se casse, hein. Ah non, mais il y en a un sur nous. On va le pourchasser. Bah oui. Il est en train de se barrer. C'est le but. Ah, je voulais l'accoster, bien mais... Bien sûr, le bateau, Aurel. C'est difficile de faire ce que tu veux. Ouais, mais je pensais qu'il s'était arrêté. Moi, je vois rien avec la nuit, c'est relou. Ouais, la nuit, c'est pas pratique. Si jamais, tu peux régler la luminosité sur ton écran. Ouais. C'est pour ça, la plupart des... En fait, t'as une... normalement, même sur ton écran, t'as une configuration FPS pour les jeux FPS et c'est beaucoup plus clair. Ok, on va pas que j'y regarde. C'est juste un bouton à appuyer, hein, c'est pas compliqué. Quel côté tu prends, Mick? Quel côté? Droit. Il a changé, je voulais pas faire ça, mais il va être à droite. Boum, droite. Ok, je vais le boulet bouche, ce bâtard. Ah, il vient sur nous. C'est bon, c'est... Ah, il est passé à côté, il est pas tombé sur nous. Ah, je l'ai tué, one shot. Boum. Bien joué. Quel patron. Canon de gauche, Aurel, canon de gauche, laisse tomber le snipe, ça sert à rien. Canon, boum. Yann, t'es mort, t'es où? Ah, je suis mort. Ah, ok. Bah, reviens-nous vite pour réparer. Ouais, je suis là. J'ai touché deux fois. Vas-y, Aurel, encore. Bah, je peux plus, j'ai plus d'angle. Eh bah, va réparer. Ouais, je vais réparer, attends. Hop. Par contre, j'ai plus de vie non plus. C'est un peu la merde. Mange. Ouais, mais j'ai rien à bouffer. Bah, tu prends dans les tonneaux. Alors, hop, voilà. Ils sont juste là. Ah, mais faut orienter les voiles pour pouvoir les prendre plein fouet. Genre, orienter les voiles. Bah, les mettre dans le sens de ça va te bombarder. Ok. Surveillez qu'ils sautent pas à l'eau. Ça arrive, ça arrive. Il y a des trucs dans l'eau. Yann, saute pas à l'eau. Mais j'ai pas sauté, c'est son boulet qui m'a taillé dans l'eau. Vas-y, Aurel, vous. Il m'a boulet bouche. Bon, je suis dans la flotte, les gars. Bah, reviens-nous dès que je suis. Putain, ça a pas marché. Aurel, va voir pour réparer. Ouais. Quand tu sais plus quoi. Ouais, j'y vais. C'est bon, y a pas trop de dégâts. Ok, ouais. On répare, on écope. Et comme ça on file pour les rattraper. Ils ont pas l'air si bons que ça. Non. Ils sont pas... Ouais.
Nous, c'est le temps qu'on chauffe, maintenant on est meilleur, on va pouvoir péter des culs. C'est pas des cheaters en tout cas. Ouais, ils tirent moins bien que. Boulet droite. Vous me dites quand vous avez l'angle. Ah, c'est là, pas mal là. Vous êtes trop haut. Voilà, c'est propre là, les deux là ils sont dedans, non? Non. Vous êtes à côté, bordel. Faites gaffe, les boulets de canon, on en a pas 12 000. Ouais, bah je confirme, on en a pas 12 000. On en a plus. Oh, propre. Boulet bouche. Putain, y'a plus de boulets. Si, on a dans ça. La cale, y'en a encore. Ah, qu'on leur monte. Ah, ils sont en train de nous faire mal, hein. Ouais, je répare, je répare. Maintiens le feu, hein, je m'occupe de réparation. Ouais, mais je mets tout à côté, là. Bon, bah, remplace-moi, alors. Non, mais c'est bon. Là, c'est bon. Ah, t'es plein dedans, là, Aurel. Nickel. Ah, c'est propre, ça. Vas-y, Aurel, vous, défonce-les. Putain, on a plus de boulets Ah, putain, il m'a fait mal. Hop là, tué. Ah, il est mort. Ah, c'est clair, j'ai mis une grosse balle. À gauche, tu le reprends à ça gauche. Ça sent là mal, les bâtards. Ça sent l'abordage, hein. Méfiez-vous sur les échelles. Non, non, ils peuvent pas, j'en ai buté un, il y en a plus qu'un sur leur bateau, il est en train d'écoper comme un taré. Ok. Bon, moi je répare le mât, que tu me dis quand. Moi j'écope. Quand il y a du. Faites gaffe, il y a des boulets là, ça nous tire dessus. Là on va voir l'angle pour pas y faire longtemps. Oh putain. Okay. Le mât au pire on s'en fout, Yann, le mât avant. Ouais ouais. J'ai plus de boulet moi. Ah, mais si on il y en a plein en bas. Ah, là on a pris cher là par contre en bas. Hein. Là t'as l'angle. Y'a un mec qui est à l'eau. Il arrive droite. On a pris cher en bas. Il est où le gars? J'ai vu un mec à l'eau. Je l'ai vu à l'eau tout à l'heure. Là, il arrive. Putain, on l'entend mais on le voit pas. Ah si, il est là. Il est là, il est là. Il nous a enculé le bâtard. Ah, je suis mort. Putain, c'est quoi qui me tire dessus là? Je suis mort, il nous a niqué à l'épée. Ah putain, il m'a mis un coup. C'est l'autre gars qui est venu ce coup-ci. Ah bah, il était plus efficace. Il est beaucoup plus fort là. Ah, du coup, j'étais en train de réparer, mais. Ah mais on est les trois là. Ouais. C'est mauvais signe ça. Ouais. Ah non. Ils sont sur le bateau ou pas? Oui. Je sais pas. Dans la cale. Mais putain, il m'a encore buté ce bâtard. Je lui ai mis un gros coup de tromblax mais il m'a eu à l'air. C'est bon, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Okay. Par contre, faut venir réparer parce que là le gars il est juste à côté. J'ai eu le temps de lui tirer dessus une fois mais ça va pas faire, hein. Ça va pas faire long feu. Hein. Faut qu'on avance, hein, parce que là, c'est réparé en bas. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Les deux. Bon. Ouais, les deux. Ouais, attends, on va aller sur leur bateau. Non, 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 non. Bah si. Ils sont chez nous, là. Ouais, ils sont là. Ils sont morts, je suis mort. Non, ils sont pas morts. Putain. Ah non, 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 mais bats-toi avant. Il est pas mort. Hop là. Aurel, fais parler tes heures de counter. Ah ouais, ils sont en train de se noyer, hein. On a pas. Moi, je les attends dans la cale, là. Putain, y'a du monde de mort, là. Hein. Voilà, hop, vas-y. Ils sont en train de couler, hein. Ils sont en train de couler. Ouais, mais ils sont aussi, morts. On va couler aussi. Ils sont sur le bateau, là. Aurel, sur le pont. Non, ils sont pas sur le pont. Mais ils tournent un peu. Donne un petit peu d'angle, qu'on puisse les... On est ancré, on peut pas. Ah putain... Je pense qu'ils sont coulés, hein. Non, 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 faut pas la ligne de flottaison est basse, mais pas assez, quoi. Faut réparer chez nous, hein. Ouais, bon, je répare vite fait le mât, je lève l'angle... Le mât, on s'en fout, c'est la coque. Non, mais faut qu'on ait un peu de mât quand même pour bouger. Je lève l'ancre et puis on tourne un peu et on les termine. Là, allez, franchement, vous alliez sur leur bateau, on les butait et on coulait, hein, ils étaient en train de couler. On donne un peu d'angle, Mick, c'est bon là. Parce que chez nous, on est bon là, hein. On n'a pas trop de problèmes. Hein. Y'a plus de bâton. Bah voilà. Allez, donne de l'angle. Là, tu vas l'avoir l'angle. Vas-y, boum.
Fais des boules à bouche, parce qu'ils veulent faire, ils vont faire la même. Hein. Aurel, répare, tu répares Aurel. Ouais, je suis en train de réparer là. Essaye de faire des boules à bouche. Putain, il m'a tué. Putain. Faut me raser. Aurel, y'a un mec. Bah ouais, bah tu me le dis quand il me tue quoi. Ah bon. Mick, tu peux me raser ou pas? Bah non, il m'a tué. Ok. Putain. Te reste quand les gars ils sont sur le bateau, c'est compliqué. Ah là on a merdé hein, franchement on a merdé. Ah bah là ils sont en train de faire des trous bien comme il faut. Ah non là ils nous finissent là. Coulé. Navire coulé. On peut pas partir à l'abordage comme ça sur les gars, faut rester dessus parce que sinon on coule tout de suite quoi. Ah c'est mais pas là forcément ils étaient... bon plan. Ils étaient meilleurs que nous au corps à corps donc ils nous fumaient les trois. Il y a un problème. Deux contre trois et on se fait fumer, on peut pas rivaliser. Ouais, moi je pense quand même qu'on a merdé parce que sur leur bateau, je l'ai buté, j'ai buté chacun d'eux, l'un après l'autre, et le bateau il était quasiment coulé. S'il y avait une deuxième personne avec moi, c'était bon, hein. C'est fini. Oh, on a... Ah, trop bien. C'est quoi ce délire? Ah, mais c'est le PVP. Je crois qu'on coulait avec notre bateau. Ok. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Ouais, j'ai fait une fois, je crois. Bon, on est bien coulé. Ouais, on est bien nul surtout. Bah c'est pas grave, on s'entraîne hein. L'avantage c'est qu'en brig, à s'attaquer à des sloops, on sait au moins qu'on est contre un ou deux gars. On a déjà la supériorité numérique, c'est déjà ça pour nous. Ouais, ça c'est clair. Bon, ça fait quand même... Non mais c'est clairement notre point faible, le PVP, donc faut en bouffer quoi. À mon humble avis. Bah ouais, faut qu'on ait... C'est clairement pas le truc le plus fun. Faut qu'on élabore des stratégies quoi, mais... On n'est pas encore au point, puis après il y avait aussi le fait qu'on n'est pas bon dans le stock non plus. On était un peu limite sur les boulets. Ouais, on n'avait pas suffisamment sur le dans la caisse de sto. Ou pas le squelette. Ah, c'était pas pour optimisé quoi. Il est là normalement, il est au bord de l'eau. C'est la guitoune. Ah non, il est pas là. Je sais pas où il est du coup ici. Il est toujours un peu plus loin le truc de Reaper. C'est bien, c'était équilibré au niveau avec les autres gars. Franchement, c'était pas. Il n'y avait pas une domination. Ouais, non, non, il y avait pas une grosse domination. Non, effectivement, on est juste pas organisé quoi. Moi, je pense qu'il manquait pas grand chose, vraiment. Ouais, non, ça s'est joué à pas grand chose. Putain, il est où le Reaper? Y'a pas de Reaper ici ou quoi? Je sais pas où faut aller donc. Bah, faut chercher jusqu'à ce que tu trouves un squelette qui accepte de voter, que tu votes pour lui. Un squelette, c'est pas le collectionneur dehors. Dans une cage ou. Et où ce fucking squelette? Ah, je l'ai. Oh, ah, tu l'as? Ok, j'allais dire sinon on vote à tes mains. T'es où? Ah, il est là-haut. Ah, il est là. C'est quoi qu'il faut... c'est ça qu'il faut appuyer? Là où il y a le couteau. Ah merde, ok. Bon, allez, on va se refaire une caisse. T'as chopé une caisse? On va ouvrir la boutique. Magasin de la société, ressources, je sais plus dans quoi c'est déjà. Ah oui, c'est là, caisse de stockage, mais là, je peux pas en prendre. Non, c'est pas la peine d'en prendre. Ouais, je peux pas de toute façon. T'as pas la thune? Bah, je pense qu'on on a le droit à une par équipage, je pense. Ah, c'est vrai, c'est tout? Non, tu peux en acheter. Non, tu peux en acheter. Bah, moi, c'est marqué que c'est fermé. Il y a un cadenas dessus. On va essayer de plonger ce coup-ci. Ouais, ça change rien du coup. Ouais, bah sauf qu'on... Ah ouais non, on va tomber forcément contre un brig qui a envie de se battre. C'est ça. C'est là la douleur. Allez, c'est bon, on y va? C'est parti. Tata, je fais le plein de la caisse. On attend Yann, il a la caisse. Mais j'arrive pas à voir le... Lui. On peut peut-être faire le fort fantôme à côté, là.
Ça permet de looter, d'avoir un peu de viande fraîche, se mettre bien pour du PVP, parce que si on y va comme ça... C'est pas une mauvaise idée. On va encore se faire fist, il faut qu'on cuise 2-3 trucs. Sud-Ouest. On n'a pas changé de serveur, normalement on est toujours sur le même. Hein. Pas dit. Ouais, parce qu'il y a plus le... C'est pas dit. Vous avez revoté Flamer ou pas? Oui, voilà, là on va partir dans l'eau. Il y a un truc à voter? Non, c'est bon, c'est déjà fait. C'est fait. C'est fait. C'est bon, on est parti. Oui. Je me noie. Mais non, tu respires sous l'eau, t'inquiète. Mais non, t'es Kevin Costner. Je dis des oui. Bienvenue dans Sea of Thieves, Cross, comment s'appelle ce film de merde, Waterworld. Ouais, alors oui, je confirme, c'est pas terrible comme film. Moi j'adorais quand j'étais gosse, mais c'est vrai que si tu le regardes avec un œil adulte, c'est vraiment de la merde. C'est pas... Il est pas vraiment pourri, c'est pas le meilleur. Bon, ça te trouve. Bon, par contre, on va trouver un brig. Hein. Ce sera 3v3. Ouais. Ok. Parce qu'on trouvait que des 3v2 c'était trop dur. Donc aussi on va faire un 3v3. Mais je sais pas s'il a du succès ce truc. L'autre fois qu'on avait fait, ça a jamais marché. Ah, c'est parti. Mais c'est quoi le délire en fait? Bah juste PVP là. Bah y'a une arène. On va se retrouver contre une brigue, ouais, on est dans une arène. Si on sort de l'arène, ça fait comme la mer rouge. Et puis là, c'est vraiment un match à mort. Ok. Je vais prendre les canons de devant. Autant optimiser les talents qu'on a. Bon, je sais pas, moi je vois pas la différence entre les canons à l'avant et les canons à l'arrière. Mais t'es en flex, Aurel. En flex ? Non, je vais faire une petite danse alors. Allez, je suis chaud. Bon, ça arrive où là ? Moi, je vais pas plus prendre le snipe en fait, je vais prendre épée tromblon. Non, pas. Je vois pas. Le snipe au final, je suis là, à droite. Droite, ouais. Allez, c'est parti. Boum ! Merde. Ils vont pas nous chenner les bâtards. Boulet bouche. Ils nous ont eu un mât ou pas? Non. Je sais pas, non, ça a l'air d'aller. Ok, je vais réparer. Mick, je te laisse revenir quand il faut. Et je les vois pas, on est dans le brouillard. Bon, on va essayer de les chenner tout de suite. Ah, c'est juste à droite normalement. Est-ce que je tente un midpi ou... Bon, on attend. Allez, une pie. Je suis en face. Tu veux voir? Ouais. Ouais, je vois rien du tout. Je vois que. Mais qui? Ah, si, ça y est, je l'ai vu. Droite. Ok. Putain. Ils sont où ces balcons là? Vous les voyez pas? Plus rien. Si, non, ouais, mais rien. Ils apparaissent, ils disparaissent quoi. Allez sur la carte en bas, puis orientez-moi. Ça marche. Tu veux. Ils sont derrière nous. Juste à votre droite. Ouais non, mais gardez notre caisse de sto. Ouais, ok, c'est le reste. Ok, on va pouvoir continuer comme ça là. On va faire un plan. Ok, ils sont à notre droite. Ouais, toujours à droite. Ils tournent plein pot, tu les prendrais pas à contre-courant? On va pas assez vite. Tu braques dans l'autre sens. Ok. Et je les vois pas. Ouais, on voit rien. Oh, j'ai presque envie de me foutre à la flotte pour aller les emmerder un peu. Bah vas-y, canonne-toi si tu les vois. Hein. Ils vont nous éprôner, ils nous arrivent droit dessus par la droite là. Je les vois pas. On voit ils rien. Sont un peu derrière, je vais aller à la flotte. Ils voient où? Bah ouais, je sais pas comment il fait. Non mais c'est sur la carte que je les vois. Non, ils sont devant nous, c'est nous, c'est l'inverse. Nous, on est niveau 1. Ah bah maintenant, ils sont devant nous. Tout à l'heure, c'était pas le cas. Non.
On est pas bon là, Mamène. On est pas bon. Bah oui, bah tu m'as dit derrière. Il y a deux. Bah oui, bah c'est le temps de changer. Mais non. Il est pas passé de devant à derrière en deux minutes, hein. Bah si, les gars. C'est pour ma droite. Mais non, c'est un c'est bien. Il y a pas de gueule. Putain, je vois rien. Et bah, je vous garantis qu'il est mec. Non, t'as dû te tromper entre notre bateau et son bateau. Bah, j'ai fait gaffe. Enfin, peut-être, hein, mais j'ai fait gaffe. Putain, ils nous balancent des fantômes enflammés, les bâtards. Oui. Ouais. Faut que tu nous fasses avancer. T'as réparé le mât devant? Ouais. C'est super. Laisse tomber la voile. Pourquoi la voile, elle tombe pas? On est ancré ou quoi? Je sais pas. Bah on a les deux mâts par terre, non? J'arrive pas à relever le mât tout seul, les gars. Bah j'étais laisse là en train de t'aider en fait. Tire à droite. Bon, je suis dead. C'est quoi ce désir? Mec, tu peux me raid ou quoi? Aurel? Ouais, de rien, je suis mort. Nourrissez-vous. Ok Thérèse. Vous tirez là. Oui. Y'a un mec sur le bateau là. Putain je suis mort. Ah ouais. À l'avant du bateau. Il est mort. Ah bon, on est coulé là. Eh ben on était bien nuls là. Ah mais là... On n'avait aucune chance hein. Je voulais pas qu'on fasse autre chose que mourir. Ouais, ça serait bien. Le problème, c'est que, ok, le mât de devant, s'il est tombé, on peut toujours tirer. Mais avec le canon de devant, quand t'as le mât dessus, tu vois pas où tu tires. Ah, mais s'il est tombé de ton côté. Ouais. Bah, tu mets à l'autre. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai tiré sur la corde pour réparer le mât de devant. Et une fois que j'y vais, ça dit. Ça dit qu'il faut tendre la corde pour pouvoir réparer, moi j'ai jamais pu le réussir, je sais pas si t'étais bugué ou... Ouais j'ai vu qu'il y avait un problème. Deux, mais... Il y avait un blème, j'ai bloqué là-dessus et ça leur fait perdre du temps. Mais on va se mettre Reaper, on va faire juste des missions. On fait pas du PVP. Comme ça si on trouve quelqu'un on le tue. Allez. Essayons, il est encore pas à l'endroit habituel. Là, il est là le Reaper. Pim, il voit personne. Ah si, un level 2. Sud. Bah c'est peut-être ceux qui nous ont poutré d'ailleurs. Ok, let's go. C'est quoi le cap? Navigue à vue. Plein sud, il y a un autre Reaper. Et puis sinon, bah... On improvise, on est dans le ciel, y'a rien. C'est moi ce que j'ai un kraken. Ah y'a un crâne. Crâne au sud. Sud je sais pas, mais en tout cas derrière nous. Et là le truc d'avant c'est des gars. Ou c'est l'AI? Non c'était des gars. Tout à l'heure c'était des gars. Ok. Là on se fait foutre que peut aller... On peut aller au mouette en face, il y a un navire échoué. Ouais. Ça nous permet de lutter un peu. Par contre on a pas de caisse de sto. Je crois que t'avais pris la caisse, non? Non. Je vais aller me vider les poches. À défaut de te vider les couilles. Non ça c'est bon aussi ça. C'est fait. Ouais. C'est pertinent. On peut lever la voile avant. On va arriver. On peut quasiment enlever l'arrière aussi. Il y a les nouveaux coffres blancs normalement là-dedans. Ah, c'est quoi encore ce fucking bug? Oh my god. C'est des bugs ou t'es mauvais? Non, j'ai des petits bugs.
Bon, je suis mauvais aussi, hein, mais du coup, ça fait encore plus mauvais. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais, voilà. C'est compatible. Il est beau, ce crâne. C'est bien, je vous entends en train de suffoquer. Ah oh, putain, il y a deux fois le coffre blanc. Je suffoque pas, c'est des gorges profondes. J'avoue, j'entendrai plus ça de la même manière maintenant. Ça me ferait rigoler au moins quand je m'étoufferai. Il y a encore des trucs en bas? Oui. Eh hey Mick, j'ai écouté là, il y a un reportage clic sur Clara Morgan sur YouTube, là il est sorti tout à l'heure. Ouais. Et ben en fait, elle a fait du porno pendant un an, c'est tout. Oui. Elle avait commencé au début avec son mec, elle avait fait que 3-4 films, et après, je pense qu'elle s'est fait repérer. C'est ça. Non, mais en fait, le deal à la base, c'était qu'elle baise que avec son mec. Oui. Trop gueulerie. Ouais, ça c'est ce qu'elle raconte, ça. Ouais. Elle dit, oh mince, je vais me prendre des gros chibrax, oh non, ça m'intéresse pas. Et du coup, elle raconte après ils se sont quittés avec son mec parce que lui il était dans la kiffance des boulards et il voulait devenir le nouveau Rocco. Ah, c'est vrai? Ouais. Oh, il voulait juste baiser d'autres meufs. Ah, ouais, il voulait taper dans des culs. Putain. Bon. T'arrives à faire le vide? Putain, merde. Mais j'arrive pas à nager, ça bloque. Je pense que j'ai des problèmes réseau. Non, il y a un requin, moi, qui me bloquait, je pouvais pas aller où je voulais, je comprenais pas. Et là, j'étais sur le dos d'un requin. Je fais, ah, ok, c'est peut-être ça. Ouais, il y a un requin là. Ça lag. Il y en a deux. Ah, ils m'ont buté. Pour moi, ça nous fait de la viande de requin. Bah non, les requins sont pas morts. C'est Aurel qui est mort. Je vais les faire. Ouais, il n'y en a plus qu'un maintenant. Le deuxième, il est mort. Les deux. Ouais, je m'en suis fait deux. Tu t'es pas ramené Aurel? Ah non, je pense. Bah non, y a personne qui m'arrête. Bah non, bah y avait les requins. Tu me harponnes, Dicky? Je peux pas, j'ai du requin sur mon harpon et je peux pas le prendre. Ok. Putain, ouais, la belle peinture du bateau là. Tu l'as réparé? Ah non. On a tout ramassé là, harponné la fin. Ouais, ça a l'air bien. Roi. Ok. Ouais, c'est les nouveaux coffres, ils sont trop beaux. Normalement, il y en a deux. C'est un peu girly. Un coffre de roi. Et on a un coffre de roi des cendres. Ça, ouais, j'ai cool. Bien aimé, c'est la gueule du crâne. Yu-Gi-Oh! Ça y est, il fait les côtelettes. Ouais, celui-là, là. Le. Crâne recherché du roi des cendres. Ah oh, putain, ouais. J'avoue, il est stylé. Ouais, il est stylé. Et quand tu fais clic droit, il balance des trucs? Non, rien du tout. On joue avec que. Il y a des reapers partout, wesh. Ah, il y en a plusieurs maintenant? Ouais. Il y en avait qu'un tout à l'heure. Ah, il y a un nouveau R1. Bon, bah allez, prêt pour le fight, hein. Tu peux descendre ton requin. T'as fait des côtelettes? Ouais, je fais des requins. Requin. Ouais, c'est bien aussi. Je pense aussi, il y a ça qu'on n'est pas bon, c'est que... les gars contre qui on joue, ça se trouve, ouais, ils sont full armure, et nous, en fait, on joue sans armure, quoi. Ça, c'est une connerie. On y va vite et couteau. Bah, ceux qu'on vient d'affronter, ils avaient des boulets fantômes. Ceux-là, faut déjà avoir looté un peu pour les choper. Qu'est-ce que tu fous? Je vais sur l'île, je fais du loot. Oh, tu seras bien les poches. Gric, gric. Je connais pas, je suis là. Tu le connais? Lui non, mais sa mère. Une grande travailleuse. Un peu goulu. Ah, c'est toi qui as obtenu des quêtes là, Yann? Ah, j'ai une clé des cendres. Nice. Bah souvent, il y a un coffre avec. Ah ouais, j'ai une carte, un crâne. Et c'est sur ton île normalement. Je vais faire les quêtes et puis s'il y a quelque chose, je vais en terre. Ouais, c'est sur mon île. Ils ont facilité le truc en mettant les coffres et les clés au même endroit. Il va cramer le requin là. Ça me prend. Attends. Moi, je peux pas le récupérer.
J'ai. Oh bah j'ai un crâne de cendre. Ouais. Oh putain, mais j'ai plusieurs capitaines. Et ils vont me défoncer les bâtards. Oh putain, je suis dé. Ah moche. Ou de toute façon t'aurais rien ramené. Si si, j'ai plusieurs. J'ai un crâne, un coffre et une faux cendre. Mais t'aurais rien ramené. Ah non non, je voulais enterrer. Non, on est plein pot, pourtant on se traîne la bite. Ou pas. Non. On va péter la gueule à un mec. Là, y a plein de monde à gauche. Alors, tu veux dire qu'on va donner nos coffres à un mec? Oui, c'est ça, exactement, pardon. Remarque, ça peut être une stratégie, hein. On les balance à l'eau. Comme ça, pendant qu'ils les ramassent, on les bute. Non, ils seraient assez rapides pour nous buter. Oh. On va faire quoi, le R1, là? Ceux qui sont dockés? Ouais. Moi, j'aime bien buter des mecs comme ça. C'est notre seule chance de tuer des mecs. Un peu le temps qu'ils arrivent, ils auront rage kit. Enfin, ils auront kit. Il y a un bateau qui vient sur nous à bâbord. Ouais. Et j'en vois deux des bateaux. Il y en a un, c'est des fantômes, enfin des pirates. Enfin, des... Mais celui qui vient sur nous, c'est pas des pirates, je crois. Ah si. Effectivement, bah, l'autre il est docké sur une île. C'est Reaper aussi. Il est à Port Merrick. C'est lui qu'on va viser. Non mais il y en a un autre qui est docké. Ah ouais. Elle vend le face là, non? Ouais, non. J'arrête Tromblon Snipe. Hein. Maintenant c'est épée Tromblon. Beaucoup trop long là, en combat de mêlée de shooter un mec. Non. Aurel, regarde. Pourquoi? Comme ça. Ouais, on est en train de cramer. Yann, qu'est-ce que t'as branlé encore? Bah j'ai pris la foudre. Répare Yann avant. Attends, je lui jette de l'eau. De me raise. Surtout qu'on arrive sur le gars, donc la foudre est... Faut être au petit... Enfin, faut être là. Merci. En plus on a bien choisi... C'est un galion, je sais pas ce que c'est. Mais c'est là, c'est un gros. Bon, bah, je vais aller vendre nos coffres, hein, comme ça. Tu peux pas, on est Reaper. Ah putain, si on peut vendre au baron. Ouais, bon, on s'en fout, on va les couler et après on ira vendre tout. Bon, on joue un peu les distances de sécurité, on reste pas trop proche non plus. Et celle-là, de sécurité, tu l'as vu? Putain, ça rase. Ouais, j'avoue, c'est un peu abusé ça. Ça, c'est nerveux, hein! Mais j'arrête pas de choper la poudre, même dans la cale! Merci! Non. Par contre, on va arriver, les gars! Arrêtez de nous toucher la nouille là! Levez la voile avant! Ok! C'est un bruit! Côté, mec! Trois, gauche! On est trop lent là! Ouais, okay. Carrément! Mais non, regarde, tu vas pouvoir l'allumer dans 2 secondes! Go! On s'en fout du chaîné, Yann! Et on va se barrer quoi. C'est de l'entraînement gros. Ouais bah sur un truc immobile. Ouais bah même immobile j'arrive pas à le toucher. Non Aurel, qu'est-ce que tu fous? Bah je vais les empêcher de réparer pour couler. Mais je crois qu'il y a personne dedans. Bah, c'est pas grave, ouais, s'il y a quelqu'un je vais le buter. On va aller dans le cœur. Ouais, c'est coulé déjà. Bon, par contre, fais gaffe, ils sont sur l'île. On va voir s'il y a du loot qui sort, mais je pense pas. Non, je pense pas, ça a l'air vide. Je pense qu'il venait juste de commencer la game. Ouais. T'imagines? Ouais, je pense que c'est ça. Bah, ils se sont mis Reaper aussi, ils réclament. Ouais, ils sont peut-être partis en chaloupe. En tout cas, si on a leur fanion Reaper, c'était... Ouais, ça c'est valable ça. Ils sont où ces baltringues? Bah fais gaffe, parce qu'il n'y aura pas forcément leur nom écrit au-dessus. Là j'ai vu un truc qui était dans l'eau. Ouais, c'est son fanion qui va remonter. Ouais, je sais pas, ça a l'air bugué. Fais gaffe s'il y a du mouvement sur le... Ouais, là, ah, il y a un peu de truc. Prépare-toi au départ, mais... Ouais, t'es...
Non, on a pas de caisse de stone. Non. Non. On peut aller en acheter une là. Ouais, mais y'a les mecs sur l'île. C'est bon? Ouais, je pense qu'ils étaient en début de game. Ouais, y'a personne. Mais y'a rien? Les mecs, non, y'a rien. T'as eu le fanion? Ouais, normalement, ouais. Enfin, je sais pas, mais j'ai harponné deux trucs et je pense que je l'ai. Ouais, il est là. Le pavillon ouais. Est nickel, c'est ce qu'on voulait. Bon, allez, on s'arrache. Bon, vous voulez pas aller balader? On va vendre les trois coffres. Ouais, ouais, au Reaper. Va sur l'île pour voir s'il y a des gars quand même. Allez. Ouais, ça a pas l'air. Sur l'île, puis voyez ce que ça peut faire. C'est une grosse l'île. Et si vous pouvez trouver les gars, dépoussez-les. Si vous mourrez, tant pis. Et je vous appelle et vous prenez la sirène quand c'est la merde, si je galère. Ouais, y'a personne. On les aurait vus, ils nous ont entendus et tout, ils seraient venus. Ouais, ils sont peut-être en mode... Athéna. Un fille à la chaloupe. Ouais, y'a personne. Oh, on a coulé un bateau vide. Bon, moi ça me plaît. Au Reaper, y'a déjà un Reaper qui attend là-bas. Putain, j'entends la sirène, je la vois pas. Je suis dessus. Du coup, quand c'est une sirène mâle, on dirait une sirène aussi. C'est un triton, il me semble. Un triton, c'est pas... Un Pokémon. Ouais, aussi. Je voyais plutôt comme un amphibien, mais style grenouille, quoi. N'empêche pas. C'est quoi la direction, là? C'est d'autres gens ou... C'est Reaper, on va les vendre, mais il y a un Reaper sur place justement. Ouais. Bon, on va leur faire des bisous. J'ai oublié comment on était lent face au vent. Ils ont des papous. Ils ont retiré leur pagnon à Reaper. Ils étaient Reaper 3. Ok. Ah, parcours à droite. Je suis dans la flotte, je suis en train de pêcher. Pareil, parcours ouais. À droite. Trop tard. Trop tard. C'est quoi faire parcours à droite? Non, laisse les voiles comme elles étaient, ça allait bien. Ouais, j'ai pas trop, hein. On n'avance pas, c'est chiant. Bah ouais, mais on est face au vent. J'ai l'impression que la pêche sans appât, ça marche plus. Ouais, en même temps, ça paraît très logique. Ouais. Non, mais ça marche super bien, attends. Il y a toujours le bateau, hein. Même s'ils ont plus le Fanion Reaper. C'est imminent à quel point? Non, il y a encore un peu le temps, on arrive. Le problème, c'est qu'on est en wheeling là. Ah voilà, putain, c'est tellement lent. Putain, ça m'énerve. Ouais, c'est trop chiant. Le nid de pile, il est haut. Hein. Tu m'attends fou. Reaper, on est là. Yann. Bon, sois prêt à déglinguer le gars d'en face. Je suis prêt. Attends, il s'est barré. Ouais, faut pas le bateau. Il y avait un bateau avant. Bah je pense qu'il vient juste... Faut lever les voiles, on lève les voiles toutes. Ils ont foutu le camp, les gars. Ouais, ouais. Y'a plus personne. De toute façon, ils ont quitté le jeu. Ouais, je pense qu'ils ont quitté. Y'a personne. Ouais. T'arrives à nous harponner à l'île à gauche, là. Tellement longtemps que je suis pas revenu Reaper. Faut juste mettre la proue, là. Aurel, tu prends l'autre canon, l'autre harpon, puis tu nous bloques. J'arrive pas à déposer ce machin. On a tout déposé. Attendez, venez voir là. Là, venez avec moi. Non, mais ça, on peut vendre aussi, je crois, non? Un fanion là-dedans? Non, mais il y a une caisse de boulet et il y a une caisse de saut. Ouais, mais je pensais qu'il y aurait un fanion ou un carnet, mais y'a rien, je suis deg. Avec le... Attends, laisse-moi les trucs de boulet, je vais les prendre moi. Ah bah non, c'est vide. Ouais, ça se trouve, ils ont quitté, non? Ouais, ils ont quitté. Pour qu'il y ait tout ça, c'est qu'ils ont... Ah, récupéré leur loot.
ça m'a amélioré ma réputation. Ah bah ils ont des trucs intéressants dans leur caisse de store. Il y a des boulets. C'est vrai de... Ah ouais, ouais, il y a des boulets fantômes et tout. Oh attends, faut que j'aille voir le gars. C'est quoi la direction? Il y a pas de direction. Merde. Oh. Non, elle faut que tu reviennes avec le bateau là. J'ai une caisse. Ah mais t'as ouvert les voiles. Je vais voir ce que je peux faire. Alors attendez, c'est que vous êtes loin là. C'est toi qui es loin. Nous, on n'a pas bougé. Oh, t'as pas besoin d'entrer, Michel. Ah, ah bah là, entrée, en fait. Là, il a pris cher le bateau. Oh là là. T'es sérieux? Ah, j'étais pas mal, j'étais pas mal. On part lever l'ancre, la voile. Si, j'ai levé celle du devant. On vérifie que le bateau coule pas du coup. Ah c'est bon, ouais, c'est bah ils sont en train de réparer. Ah ok. Poupi 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 poupi. Aurel il aime bien partir vite. Ah ouais, j'aime pas que ça traîne. Ouais je vois ça à chaque fois. Il y a plus de faucheuses, on les a pété les deux. Ah mais on est bloqué là non? Un petit peu ouais mais ça va se débloquer. Ah non, ça se débloque pas du tout. Non, ça se débloque pas. Là. Je pense qu'il va falloir qu'on lève les voiles. Ah non, c'est bon. On va encore devoir réparer. Ah bah attends Yann, je vais tourner de l'autre côté. Enlève ton harpon. Attends, je vais essayer de me mettre sous le bateau là, pour pousser. Nickel, ça fait... Ah putain, mais t'as mis les voiles à fond alors qu'on est dans la terre, sur la terre. Ouais, c'est pour ça que ça passait pas. Ah non mais... Ok. Ouais, on est bon. On est parti. Ah, c'est bon, y'a pas de trou dans la cale. T'as un mec devant là? Ok, un navire. Oh, si c'est un. C'est un. Ouais, tout droit, tout droit, tout droit. On optimise les voiles, putain, on est face au vent. Y'a un mec derrière le caillou, juste devant. Non, non, laissez-les sur le côté les voiles. Quand ouais, mais je vais mettre de l'autre côté. Ah, ok. Parce que moi après je vois rien, c'est insupportable. Parce que du coup le vent il est de l'autre côté. Je vois pas du tout où il est l'autre gars. Derrière le gros caillou qui est devant nous. Okay. Il est derrière. Ah, ok. C'est pas un fantôme. Non, c'est un joueur. Tu le vois? Ouais, ouais, j'ai vu. C'est un sloop normalement. Ah putain. Non, c'est un œil de lynx, moi je vois rien. Bon, je l'ai vu avant qu'il passe derrière le caillou aussi. Du coup là si on chope comme ça on est bon Yann ou... Je sais pas. Tu le vois ou tu le vois pas? Je suis dans la flotte. Ah moi je le vois, il est droit devant. Alors. Mais il est loin hein, par contre. On va optimiser. Ah, il a l'air d'avoir des trucs sur son bateau. Ça brille. Je vois pas de là. On va essayer de couper la route en faisant enfin. Ah j'ai compris la stratégie. Hein. Tricher un peu. Donc les voiles sont à fond à droite mais elles prennent pas le vent pour l'instant. Il est où là le gars? Devant, ah, okay, c'est bon, c'était le flatrage. Il n'a pas de... d'alliance, il n'a pas une alliance, il n'est pas émissaire. Sloop. Pas d'allégeance. Bien. Tous les sloop. Coups, c'est encore un solo sloop qui va nous. C'est un solo sloop, trop cool. Mais si nous coule, cool, dira rien à personne. Hein. Ce qui se passe sur Sot reste sur Sot. Surtout quand on se fait ouvrir par des solo sloop. Encore, on n'est pas en galion, on pourrait faire pire. Bon, on se rapproche déjà bien. Je pense qu'il... Je sais pas s'il nous a rodé. Mais lui, il a le vent plein pot. Qu'est-ce que tu fais chier? Optimise les voiles, lui, de m'embêter. T'as fait le plein de boulets de canon, t'as fait le plein de tout le reste, là. Affirmatif. Nickel. J'ai pris des boulets de canon aussi, comme ça s'il y a moyen de tirer un ou deux boulets, je suis mon preneur. Ah yes, on a pris les voiles. Les voiles sont plein pot là. Oh, tu sais pas t'infiltrer. Hein. Yann, dans 2 minutes, on va l'avoir. Bah bien sûr, si je vaux que toi, en énorme.
Ouais, alors on va l'avoir, Mick, mais on n'a pas du tout d'homme pour tirer. Oui, mais pour l'instant, l'objectif, c'est de le rattraper. Et là, là tu vas tout droit sur des caillasses, ma mère. Attends, je vais tricher. Canon de droite. T'es sûr de ton coup? Oui. On va le perdre, hein. Non, non. Non, pas bon, là, pas bon. Le petit musée. Non, c'est bon, parfait. Ouais, j'ai repris le vent. Comme ça, parce que j'avais peur qu'il puisse nous tirer dessus, en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors, je regarde s'il va pas se foutre dans la flotte, là. Allez, décaler les voiles, on les prend en chasse. Ok, je gère la voile de devant. Bon, on est encore bon là. Ils sont à mi-voile, on optimise à fond. Là, on peut, si on optimise bien. Kraken. Oh putain, Kraken. C'est eux. Oui, c'est eux qui sont Kraken. Oh. On traverse ou pas? Bah non, on va les finir. Canon droite, c'est si on tourne autour du tour. On va se faire passer dessus. Non. Canon droite, tire-leur dessus déjà. Canon, je m'en fous des. Yann dessus. Ah, je pensais pas. Ah bah voilà. On va essayer de sauver. Le secours. C'est bon, je l'ai eu. Il t'a lâché. Moi, je suis en train de me noyer, super. Ça a pris de Kraken. Je les assassine. Ah non, faut les. Eh oui, c'est eux qui plongent le gars. Tu y vas à la nage, Aurel? Bah, Aurel. Je sais pas, ils ont pas l'air de bouger non, là. Non. Aurel, viens non avec nous, on a le bateau qui est en train de prendre l'eau. On s'est fait abîmer, y'a personne qui a réparé. Je nage super bien. Ouais, c'est pareil ce que je me disais. T'as réparé, Mick? Ouais, c'est bon, j'ai tout réparé. Par contre, on se fait tirer dessus par le gars, du coup, maintenant. Ouais. Je sais pas. Parce que du coup, bah si, j'ai réparé. Ouais, mais Mick, on a plus langue. Bah non, on a plus langue parce que j'étais en bas en train de réparer. Ouais, mais c'est. Ah, ils nous tirent dessus. Ouais, on a vu. Ils sont pas sympas. On prend pas l'eau, c'est bon. Vas-y, Aurel, tire-lui dessus. Mais pas le sniper, Aurel, ça sert à rien. Non, mais attends, là, j'ai pas d'angle avec le canon, là. Tu te fous de ma gueule? Ah si, c'est bon. Ah parfait, vous êtes dedans. Il se fait craquer. Ah, il se fait bosser. Ah, attends, il arrive sur nous. Non, ça passe dessus, c'est bon. Je crois qu'on avait Je crois que j'ai pas d'angle. Là. Il tire dessus. Ouais, mais il a peur de rien, le gars. Vas-y, tirez, je m'occupe pas. Ah, bon, la bouche. De plus de distance, propre. Ouais, en fait, sans doute. Tu nous aurais dit qu'on t'aurait fait exprès, t'aurais pas cru, de toute façon. Merde, j'ai plus de boulet. Bon, bah, le Kraken est dead. Faut que tu levais la voile d'avant. Bah oui, parce qu'on est plus dans le Kraken, donc on avance. Faut lever la voile avant. Je vais voir en bas si on n'est pas. Non, c'est bon, on est. C'est réparé. Tout va bien. Oh putain, 25 pièces anciennes, je viens de me faire propre. Oh, gardez les boulets, c'est trop. Ouais, putain, c'est vrai. Remettez la voile avant à fond et on optimise les voiles. C'est un peu du mât à réparer, ouais. Et faites gaffe, hein, dans 2 secondes, on est sur le gars. Le gars, il nous tire déjà dessus. Ouais. Ah, dommage, je sais pas comment il tenait. Ah, c'est bon, je suis au canon. Avant. On lève la voile avant et on va pouvoir leur tirer dessus. Aurel, t'es prêt? Tire. Bah attends, pas tout faire, lever la voile, tirer en même temps. Là j'ai pas d'angle, hein. Aucun si angle. Vous l'avez, vous. Non. Vous les tirez au-dessus. Ah putain. Ah là il fait super mal là. Aurel, descend en flex. Ouais, parce qu'on prend l'eau debout. C'est bon, attends, on va aller en bas. Aurel, c'est bon. Mets pas d'angle. Ouais, mais justement, j'étais en train d'écoper. Ah, il y avait besoin.
pilote ou pas là? Ah ouais, non, faut y copier là. Faut y copier sinon on va se noyer. Ah putain, j'ai plus de. J'ai plus de planche. Oh, des planches de l'arc plein. Et c'est un brig ou c'est. Angle à droite, canon à droite, boum. Les deux, je vais y aller, boum. C'est joué. Ouais, je l'ai raté. Oh bah, bien joué, là ça touche. On va trop vite là. Ouais, je relève les voiles. Oh putain, plus de canon. Allez-y, boum. On va perdre l'angle. Ah, j'ai du mal à gérer. Ah, j'ai plus l'angle. Ah, t'avais levé la voile avant, Yann. Ah, j'avais pas vu. Ouais. Faites le plein de boulets de canon tant qu'on n'a pas l'angle. Pas son sillage, hein, sinon il vous aborde. Ouais, faut juste inverser les voiles. Aurel, le snipe ça sert à rien. Ouais, mais je le vois, c'est pour ça que j'essaie de tirer. Ouais, mais les balles. Touché, je l'ai buté. C'est comme ça. Il était rouge ton curseur? Oui, je l'ai buté. Oh, le bâtard. Ouais, je retire alors ça marche alors. T'arrives à nous le harponner? Le harponner, je reste trop loin. Touché. Dans l'autre sens. J'ai mis rouge. Rouge quoi? Ouais. Bâtard. Recharge. Ouais, il faut que j'aille recharger. Je sais pas si encore quelqu'un à la barre, hein, vu que j'ai tiré. Il y a quelqu'un à la barre. Boum, canon à droite. Si vous avez l'angle là, je pense. Harponnez. Vas-y, c'est bien. Non, ça a relâché. Ouais, je les avais butés tous les deux. Je les avais butés tous les deux. C'est abusé. Harponnez. Le canon avant. Vous pouvez pas lui tirer dessus? Si. Voilà, alors c'est où qu'on prend l'eau? Yann, remets la voile. On les perd. Je les avais butés tous les deux, je les ai vus respawn. C'est bien joué. C'est bien joué, tu peux continuer à snipe. On optimise les voiles si on peut, la gauche. Ils ont pris un peu de tarif normalement. Ouais, mais s'ils arrivent à réparer à chaque fois, c'est pas chier. En fait, on n'arrive jamais à les finir, en fait, les gars. C'est ça. Et des fois, on fait vraiment des bonnes actions, mais on les finit pas. Mais là, c'est un problème de voile. Problème de vitesse, une bêtise. Ouais, mais le problème c'est que dès qu'on est arrivé à côté, les voiles se sont mis à se gonfler d'un coup. Là où ils ont l'angle, là on va se faire défoncer. Putain, les mâts à chaque fois ils prennent aussi. Ouais, attends. Ah, requin. Ouais. Mégalochibre. Donc t'arrives à les snipes là? Faut voir. Enfin, faut déjà que j'ai un point de vue, tu vois. Touché. Yann, vas-y. Ah putain, j'ai plus de. Je vais réparer. Yes, tout bout de bouche. Il arrive, Aurel. Là, ils ont retiré dans le même trou, du coup, j'ai été dégagé, mais là, c'est bon. Oh non, laisse tomber le harpon, Yann. Le canon avant, il est bon. Raté. Oh, trop celui-là. Allez, bim. Non. Oh, bien joué. Plus d'angle. Ouais, t'inquiète, c'est eux qui ont tourné.
ils ont changé. Ça ralentit ou quoi? En fait, ils changent plein de fois de direction, ces bâtards. Tu retournes ou bien? Tu vas là. Tu dois l'avoir là. Mais dans la gueule. Non, pas encore. Après, il faut qu'on accélère. Non, j'ai pas d'angle, mec. J'ai pas d'angle. Soit t'avances, soit tu pivotes. Mais je peux pas pivoter, on va rentrer dans une pierre tout droit. Je peux pas les toucher là. C'est vraiment sur ce genre de conneries qu'on les baisait. Souvent on était bon là. On n'arrive pas à aller en face. Tu es. Tiens, ouais, mais comment tu. J'ai mis headshot, c'est le gars qui conduisait. Il doit se bouffer les doigts. Vas-y, il me fait chier l'autre derrière. Ça fait chier que ça les ralentisse pas quand il n'y a plus de pilote. Bah du coup ça va tout droit quoi, enfin, ça garde la direction quoi. Ouais c'est ça. Le problème c'est que là ils se sont mis face au vent. Ouais. Non, non, regarde, laisse, balance les voiles à droite. Je vais les changer de sens. Je vais les prendre par là, on va les prendre avec les canons de gauche. A priori ils ont chié le machin. Oui, ils essayent de nous aborder, moi je vois personne. J'ai pas d'angle. Je vois personne sur le bateau. Ils sont trop loin. T'arrives pas à la langue? Essaye là. Oh non, c'est mort. Regarde, tu leur tires dehors. Et ils tournent encore. Laisse-moi, tu les auras pas comme ça. Putain, ils sont. Ils se sont arrêtés ou quoi? On change des voiles. Parce qu'en fait, ils ont tourné. Et pourquoi il y a toujours des grosses bestioles qui nous courent après? En fait, on tourne en rond depuis tout à l'heure. Là, droite, vous êtes prêts? Ah, raté. Canon. Oh putain. On est passé beaucoup trop vite. Ouais, bah ouais, on pouvait pas ralentir. Par contre, ils ne bougent pas, les gars. Non. Mais nous non plus, hein. Si, si. Aussi un petit peu. Ah, si, si, je les ai bien vus. Par contre, va falloir qu'on se décide sur où on est à l'avant ou on est à l'arrière, enfin premier canon ou deuxième canon, parce que je pense que des fois c'est un peu brouillon quoi. C'est le bordel. Il y a un deuxième bateau derrière. Vu que je gère la voile, je me mets celui le plus proche de la voile. Mais dis-nous avant ou arrière, ce sera plus simple. C'est arrière, tu veux mieux quoi. Il y a deux bateaux. Ouais. On s'en fout, oh putain, là on va les percuter. Il a essayé de sauter sur notre bateau, mais ça n'a pas marché. Ah, il est loin, Nick. Ouais. Ah putain, ça bouge trop. Je vais lever la voile avant. Ah, il y a un espèce de mégalodon là. Très bien, il va s'occuper de. Putain, c'est foiré. On a des trous, faut réparer. Putain, franchement, on est 12 ans à faire demi-tour, ça m'énerve. Plein de coups. Ils sont à droite. Ouais, on est en train de parler. Eh, toujours le mégalo machin là. Oh putain. Il nous rattaque, ouais. C'est bon. Ouais, je suis sur le coup. Il est chiant ce machin. Non, faut pas tirer sur celui-là, Aurel, pas celui-là. C'est quoi celui-là? Bah pas ce bateau-là. C'est pas celui-là qu'il faut tirer, c'est celui qui est devant. Tu vois, si tu tires dessus, il va nous aggro. Il
Par contre là il est juste devant, je vois pas où est le bateau. On va trop vite. On va trop vite. Oui, bah faut lever les voiles. Mais pour une fois on le rattrape au moins. Il est sérieux, il nous a touché. Ouais, il nous a touché. Vous pouvez tirer ? Vous faites quoi ? Ah, moi je vais réparer. Non. Yep, si tu nous ralentis là, on va plus être, on va plus avoir. Non mais mec, t'as dit faut lever la voile, j'ai levé la voile. Bah maintenant ça prend du. Putain, il tourne à gauche, le bâtard. Ah, j'ai mis du boulet là. Ouais, j'ai vu, nickel. À chaque fois aussi. Là on est tip top, on est à fond. Normalement on devrait le rattraper comme ça. Allez sur la petite tic sur le côté parce qu'on commence à manquer de plein de choses. Et tu veux aller sur l'île, non? Ouais. Pour faire quoi sur l'île? On va chercher un peu des vivres. On va pas aller chercher des vivres pendant qu'on poursuit quelqu'un. Ça va falloir qu'on repasse, t'arrêtes. Ah oui, mais juste de quoi remplir tes poches alors. Bah oui. Ok, d'accord. Putain, il y avait des boulettes dedans. Aurel, canon, à droite, ouais. À gauche. Ah non. Oups, là, il y a une caisse de boulettes dedans ici. Il y en a déjà une sur le pont. Ouais, mais elle est. Il est face à nous là, Aurel, ou quoi? Non, il nous tourne le dos là. Non, il nous tourne le dos. Tu cafouilles le clavier ou quoi? Là, ils sont face à nous, c'est ouf. Ah non, putain, en fait. Attention, ils sont slides. Ouais, je vois. Ils savent pas viser par contre. Vu qu'ils te voient faire, ils doivent se dire que c'est possible. Ouais, sans doute. Ah, je pense que je leur ai mis super cher avec le snipe. Ouais, mais vu qu'ils peuvent respawn tout le temps. On faut inverser les voiles. Ouais, mais typiquement, tu vois, qu'on arrive à les buter les deux comme ça, de loin. Parce que tout à l'heure, après, on aurait pu essayer de se catapulter sur leur bateau, tu vois. J'aurais essayé de mettre leur... Ah, le bateau a toujours avancé. Il s'est jamais arrêté, le bateau. Mmh. Il y a eu un moment où ça allait moins vite quand même, parce qu'on a pu les accrocher. Faut balancer les voiles à gauche. Oh putain, j'ai pris une balle. J'arrête. Merci. Va falloir les taper là, ils vont arriver, on va avoir un angle à gauche. Là tu t'en balances 50 à la seconde. Ouais, ça va, il y en a encore. Hein. C'est vrai? On a pas grand chose. Là je suis allé chercher tout ce qui restait en bas, mec. Hein. Il nous reste 38 boulets donc. Ça va pas loin quoi. Ouais, je sais pas. Moi je pense qu'il faudrait qu'on passe plus à l'abordage quoi. Bah on peut pas à l'abordage, on arrive pas à les rattraper. Tu veux qu'on leur rentre dedans? Non, mais quand on a la possibilité, on le fait pas. Vas-y, on leur rentre dedans. Toi tu sautes dessus, tu les ancres, et puis après on les tape. Je pense qu'on est quand même... Ping 280. Optimiser les voiles. Ouais. Y'a une sirène dans l'eau. Ouais, ils sont sur l'île. Tu veux te le faire, Oral? Y'en a un qui est sur l'île. Ouais, bah allez. Tu y vas ou pas? Ouais, j'y vais, moi. Il va prendre cette sirène. C'est pas grave. Attends, ah ouais, je vois. Ça va plus vite. C'est bon, il est mort. Il a pas eu le temps de prendre sa sirène. Il tira direct sur leur bateau.
Alors ça serait magnifique. Mais quoi, je relève la voile de devant ou... Non, jamais. À fond. On ralentit plus maintenant. T'es sûr? Oui. Un bon plan ça. On s'en fout, on optimise les voiles. Il essaie de revenir chercher son pote. Je sais pas. Son pote il est mort. Hein. Bah justement, c'est ça que je comprends pas. Ah, peut-être qu'ils ont une mission à faire par là, mais... C'est quoi, ils ont pas de recap. Encore sur l'île... Fais gaffe, y'a un keg là devant, je crois. Y'a un dégât sur l'île. Ouais, y'a un keg. Bon, je vais aller sur l'île. Vas-y. Ok. Ils ont l'air de faire quelque chose sur cette île. Yann à faire ça. Je me keg. En vrai, tu peux calmer, je pense. Ah, attends. Ah, ok, t'es un peu loin, non, c'est un peu loin. Putain, j'arrive pas à monter dans le canon. Ah non, mais là, t'aurais pas pu. Comment on fait pour décharger le canon? Ils sont super nuls, c'est dégueulasse. Comme pour tirer, tu refais R. Oh, ils sont super nuls, mais on les rattrape pas. Hein. Ça marche pas. Si. Ouais. Ah bah super. Je suis pas arrivé à faire autrement en fait. Je sais pas pourquoi ça peut marcher. En fait, tu fais comme pour tirer. Ah mais attends, c'est un autre bateau là. Tu fais R. Oui, c'est un autre, tu touches pas à celui-là. Je vais rester sur l'île en attendant vu qu'ils ont tendance à y revenir tout le temps les gars. Super, il est juste en face de moi. Parfait. Vas-y. Bah il est en face de moi surtout maintenant. Ah putain. Ouais. Ah, dommage, il a changé de direction, hein, sinon j'étais pile poil dessus quoi. J'ai vu ça. Foiré. Ah, relève la voile avant. Je crois qu'on prend l'eau. Hein. Ah oui, ils nous ont tapé, j'ai oublié. C'est bon, tu peux rebaisser les voiles. On peut rebaisser ? Ouais. C'est juste le temps qu'on puisse faire une... Okay. Yann, charge. On y va, là, les gars ils sont barrés. Là, c'est juste impossible de tirer, hein. C'est un miracle que j'arrive à toucher quelque chose. Ils ont peut-être plus beaucoup de boulets, c'est peut-être pour ça qu'ils... Non, c'est pas la M1000 que tout à l'heure. J'ai pris plus court qu'eux. Par contre, je suis dans leur angle de canon. Ouais. Mais ça nous permet de les rattraper, s'il y en a qui veulent sauter et les ancrer, c'est maintenant. Les ancrer. Et... Tu vois. Ah putain, je t'ai casé dessus. Bah, vas-y, ça me tire encore bon. Oh, y a le feu en bas, j'éteins. A touché. Aurel, canon. Ah mais je suis dans l'eau moi. Ah ok. Je suis de deg. Là ils sont juste devant, si on met un coup de fort, si on attaque un peu plus costaud, on va pouvoir les défoncer. Ah putain, je peux pas tirer, j'ai pas de munitions. Là, vous êtes prêts à sauter dessus, faut les ancrer. Ouais, là, attention, hein. Parce là, ils ont... Non, on va rien. Ah putain, c'est passé complètement à côté. Vous êtes prêts à tirer dessus avec les camions de gauche? Ouais. Faire. Non, le tout c'est trop tard. Ah, c'est mort. Et pourquoi j'arrive pas à éteindre le feu sur la proue? On peut tirer la base de la proue, je crois. Ah, c'est bon, je l'ai éteint. C'est bon, c'est colmaté dans la cale. Putain, ils sont juste devant, je vois rien, bâtard. Ils sont à droite là. Canon droite. Boum. Un haut de bruit pour faire un carnage là. Voilà, parfait, ça c'est très bien. Pas bon là. Ouais, j'ai pas d'angle. Il y a eu une frame pour pouvoir tirer dessus quoi, mais sinon c'est caca. J'ai mis un headshot. Ah, vous l'avez à nouveau. J'ai mis un headshot. L'angle, vous l'avez, nickel. Ah, je crois que c'est maintenant ou jamais. Nickel, canon. Je
putain. Aurel, qu'est-ce que t'as branlé? Mais je sais pas, je pensais que j'étais au bon endroit, quoi. Mais j'en ai buté un, du coup, ça valait le coup d'essayer de monter, quoi. Ouais, putain. Ils arrivent toujours à se démerder pour se barrer, ces connards. Moi j'ai le jeu qui lag, il y a 280, j'ai des faux contacts, c'est la merde. Ah, c'est chiant. Putain. Tu sais, j'appuie sur une touche, ça répond pas. Ah, ça c'est pas cool. Ouais, c'est parce que... Mais ça c'est ta connexion à part ça. Ah, c'est la cause, ça me fait chier. J'arrive pas à tirer, j'arrive pas à les enchaîner, j'appuie, il se passe rien. Putain, ça me saoule. Là, je suis content, j'arrête pas de leur mettre des headshots. Ouais, c'est bien ça. Ça fait chier que ça rapporte rien en fait, ça. Bah, c'est juste qu'il faut prendre l'initiative quand j'y arrive, tu vois. Qu'on soit réactif, quoi. Ouais, même si t'avais mis un headshot à l'autre continue à nous tirer dessus au canon. Ouais, mais après, tu vois, si par exemple j'arrive à l'aborder, il y en a plus qu'un sur le bateau. À peine à y rattraper. On est bon là au niveau des voiles? Pas du tout. La prochaine fois qu'on leur rentre dedans, vous sautez sur le bateau. Ouais, j'ai essayé, mais tout à l'heure je voulais. Vous ancrez. Non, maintenant, ouais. Je finis. Vous sautez dessus, vous les ancrez. Ouais, moi, je prépare le bateau. Vous en foutez, moi je me débrouillerai pour préparer le bateau. Je les vois pas sur le bateau là. Ici, il y a un gars là-bas. Hein. Sur 100%, il y a quelqu'un là-bas. On arrive trop vite, on fait quoi? On relève un peu ou quoi? Non, non, non. Calme. Ah, plus lent, Nick. Tu veux pas les harponner? Il les a harponnés, c'est ça qui nous a serré. Merde, putain, j'ai foutu le feu à notre bateau. Oh putain, j'en ai fait de la gueule, ça. Mick, tu resserres trop vite quand on arrive dessus. Du coup, on a zéro angle. Il a harponné, ça nous a fait tourner à gauche d'un coup. Mais non, mais même avant. Mais là, sérieusement, il y avait possibilité de monter sur leur bateau. Bah oui, je vois pas pourquoi vous avez pas sauté. Et bah moi je voulais leur balancer des boules là-dessus avant. Ouais, on a vu que vous t'avez foutu le feu, que t'avais préféré foutre le feu au bateau. Bah non, en fait, il y a à cause des vagues, il y a le la pointe du bout qui s'est surélevée et ça a tapé dedans. Et bah compris. J'ose espérer que c'était pas volontaire. Bah non, bah, trop pas. Je suis deg. Enfin, c'est pas grave. On va y arriver. Tu vises au niveau de... comment dire... du gouvernail. Ou des fois, tu vois la tête qui dépasse. Ouais, c'est ça que j'essaie de viser. Le bout de tête qui dépasse, là. Canon, retard, il plan. Il a tourné. Il y en a de loin. Laisse les voiles à droite. Il y en a de loin tout pourri. Hein. Canon gauche. Touché, tué. Canon gauche. Ouais. Tué le deuxième. Je les ai tués les deux. Y'a pas l'angle, Mick. Ouais, mais là je peux pas, je suis à fond. Je les ai tués tous les deux. Non, c'est trop tard, il est derrière. Ah, si putain, il avance trop vite. Il avance trop vite. Là, tu peux les toucher, Yann, vas-y, un poil plus haut. Bien joué. Et Aurel revient. Non, je tire sur le gars qui est à la barre. Fais gaffe, il resserre, c'est eux qui resserrent, c'est eux qui resserrent. Voilà. Ils peuvent dire au revoir à leur main. On s'en fout. Vas-y, elle est où là? Ils m'ont foutu à 3 km. Putain, ils sont pas bons hein. Non, ils sont nuls. Mick, bah et nous on est pas bons là, on se croit une île mec. Ouais, je viens de voir.
C'est quoi ce délire là? Putain. Bah oui, mais en même temps. J'ai vu le gars qui nous a abordé. J'étais plus dessus. C'est bon. Y'a plus de fuite. Là, canon de gauche. Je les borde. Ah, tu les bordes du coup. Canon de gauche, Aurel. Canon de gauche. Putain, je me fais charge. Ah, on a coulé le bateau. Ouais, il est coulé. Non, le leur. J'ai eu un achievement. Ils avaient le crâne de la sirène. Quoi? Ils avaient le crâne de la sirène, j'ai eu ça. Ils faisaient la quête? Je sais pas, mais en tout cas ils avaient le crâne de la sirène sur eux. Je les vois pas. Si là. Yann, tu les as les deux? Ouais, j'en ai avec moi. Mort. Bah là je vais me faire shark. Oh merde. Ah, je suis mort. Oh, t'es dead. Je me suis fait shark, j'ai plus de balles. Ah mais t'as deux sharks sur toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, mais j'ai buté le gars. Je sais pas s'il y avait le deuxième. On va récupérer leur loot. T'es déjà mort. Ouais, oh, ils ont rien en plus. C'est t'es bizarre. Ouf. Bah ils ont pas grand chose. Ils sont pas sur le vaisseau des données. Ils ont HQ. Prends la caisse de sto pour ouais. Faire le plat. Putain, ça se trouve, on a récupéré le crâne du champ de sirène alors qu'on fait pas la quête. Et alors qu'on est Reaper, c'est valable ça. T'as fait le plein, Aurel? Là-dessus, ouais. Faudrait en prendre un autre. Attends, je vais faire. Vas-y. Putain, on a enfin coulé les gars. Juste à côté, la ouais. Caisse de sto. Et on a été nul à chier, bon. Les mecs, non? Oui. C'est bon. Pourquoi il y a une sirène dans l'eau? On va se faire board. Ah là, gauche. Eh, les la mecs, nôtre. Bon. Mais c'est pas notre sirène, on est tous sur le bateau. Il y a un mec dans l'eau. Tu le vois? Ah non, elle est partie. La sirène, elle fout le camp. Vas-y. C'est bon? Ouais. Bon bah c'est tout. On a la... Ah, on a juste la clé. Ils ont rien. Shark de ouf, moi. La clé du champ de sirène maléfique. Ah, mais faut faire la quête pour avoir l'autre bout, c'est ça? Putain, y'a trois requins. T'es où? Je sais pas où il est. Je suis dans la flotte. Je te vois même pas. C'est même pareil. Et le troisième requin m'a buté. Crâne du champ de sirène, ok. Pas mal. Clé du champ de sirène maléfique. Ah, bah du coup, on a pas le crâne. Non. Je pensais que c'était le crâne, mais en fait non, c'est que la clé. Ça permet de faire la quête. Bon bah, on va lancer la quête. Faut lancer la quête. On la lance ou on s'en balèque? Non, on s'en balèque. Ça se trouve, ça va se vendre. Oui, ça va se vendre au Reaper, bien sûr. Reaper, tu vends tous ces trucs-là que tu voles. Faut essayer de faire le... Putain, on a zéro quête, la merde. C'est bon, on est mort. On a une... Comment ça s'appelle? Il y a des chaloupes, si on veut charger, il doit y avoir du loot dedans. Ouais, puis on a plein de loot. Je vais faire le tour de l'île avec la caisse de sto. J'ai déjà fait le tour, il n'y a pas grand chose. Ah ouais? Mais par contre j'avais pas de... T'avais pas de caisse? J'ai pas de caisse. Bon, par contre on a récupéré leur caisse à eux. Ouais. De sto? Ouais, je vais décharger dans... Ah non. Ah, pas de sto, hein. C'est la nôtre. Non, c'est nos caisses. Ouais, bah si on refait du PVP, faut qu'on refasse le plein. Bon, on peut faire le champ de sirène, hein. Vas-y, je tue. Vu qu'on a la clé. Voter pour annuler la quête, non. C'est voter pour la fin. Il y a 18 boulets de canon, un petit peu de planche, un petit peu de bouffe sur la chaloupe, c'est pas la folie. Ah, 18 boulets de canon quand même. Ah, ils avaient rien. T'as lancé la quête de la sirène du coup? Moi j'ai voté. Faut qu'il y en a un deuxième qui vote. Non, c'est écrit juste voter pour annuler la quête. Bon bah annulons. On va voir. Ah bon, on a quoi, rien. Sur la carte après? Ouais, j'ai on rien. A rien. Ah ouais, faut accepter la quête avec le texte. Thank you for accepting this most adventurous of expeditions. I'm searching for the sixth skull. That's why I've asked.
multiple crews to embark on this voyage. Just be aware that once you have the chest key or skull, c'est tout en longueur, visible comme un étron, all the other crews. Mr. Honky. You might have to fight them off to claim the reward for yourself. Non. As soon as you bring the skull of Cyrus to the destination I give you, I will make my presence known. So what are you waiting for? Bah, vas-y. On with the quest. Ça y ressemble. Ouais, c'est ça. Good luck. C'est nord-est, c'est ça, on est pile de tout droit du coup. Oui. Quasi. Pas vraiment tout droit, non. Un peu plus au nord. Vraiment nord-est. Je vais aller piquer la clé. Enfin, je vais la planquer plutôt. Je vais la mettre sur le bureau. C'est pas vraiment planqué, mais c'est un peu plus chiant pour aller chercher. On optimise les voiles et là on va pouvoir avancer. Moi je préfère clairement faire des quêtes que du PVP. Hein. Ouais, ça dépend, mais là c'était... Putain, tu cours pendant 10 ans après des mecs. Ouais, bon là c'était un peu l'exception, parce que tout à l'heure on courait pas, on se faisait défoncer. Ouais, voilà, super, soit on court, soit on se fait défoncer. Paye ta soirée. Alors après, pas faire des chercheurs d'or comme on a fait les dernières fois, hein. Faut faire des trucs différents. Ouais. Non, mais le problème c'est que si on... Je sais pas, moi. Si le problème c'est que si on est trop des catholes en PVP, on profite pas à chaque fois, on se fait violer, c'est chiant quoi. Ouais. Faut baisser un peu. Ouais, c'est vrai. Mais moi j'aime bien. T'es à la fin. Quand t'as plus rien à perdre. Ouais. On fait du PVP, le bateau il est full. C'est un peu trop au nord. Ouais, mais c'est au nord le truc. C'est l'île qui est en face. Ça, c'est un truc à déterrer. Hop 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 hop. C'est tout au nord de l'île. On arrive dessus. On peut lever la voile avant. Ah bon. Ah nickel, on va avoir une clé cendrée en plus. Mais tout le monde a un nouveau loot. Ah putain, c'est une bourse d'or. J'aurais bien trouvé une bourse pour les recharges. Il y a une caisse. Il y a une grosse pépite d'or. Ah non, le mieux c'est ça, regarde là. C'est quoi que t'as trouvé là? Le coffre, vu que vous avez tué le capitaine, il a popé une lettre, et la lettre c'était une carte. Ah. Et tu fais quoi, Aurel? Tu aurais pas pu m'aider, tu sais. Bah non. Prends la pépite là. Je suis fatigué. Ah non. Déjà, on peut pas se reposer tranquille. Hein. Yann, t'as pris la clé ou pas encore? En train. Non mais t'es allé la chercher, ouais. La clé cendrée? Non, la clé cendrée j'ai déjà ouvert. Mais là, c'est cool ça. Ouais, c'est cool. Ça peut aider en PVP? Oui. Ouais. Ça fait quoi exactement? Ça fait une onde. Une onde de choc. Et ça fait quoi? Ça les tue? Ça les repousse? Non, j'ai jamais testé sur quelqu'un, je pourrais pas te dire. Pareil. On peut tester sur Yann? Ça, ouais, ça marche pas. Je crois pas qu'il y a du friendly play. Ouais, désolé. Ah, mais si, ça te fait un truc. Faut pas trop l'utiliser parce que sinon elle perd sa valeur. Ah bon? Ouais. C'est nul. Ah, par contre, notre bateau il est clairement identifié maintenant. Oui, et il est ralenti en plus. Faut qu'on aille vendre. Bah, de toute façon, tu vois la tornade là? Ouais, je suis à fond. T'es à fond? Non, la tornade c'est quoi? Bah, c'est pas là où on doit aller vendre? Non. Non, mais pas la tornade, mais le volute bleu là. La double hélice. Oh. Si, c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. On sait qu'on la vendait au Reaper. Ah bah non, pas du tout. Tu sais, faut la vendre à Shaking Phantom. Oui, vous oubliez. T'étais pas là quand on l'avait fait? Idée. Pour moi, je disais Reaper. Je peux dire, on est en brigantin. Reaper niveau 3. Notre bateau là, il est drôle de couleur. Ouais, mais justement, il y a du serpent plus en bas qui est. On a la clé et le coffre, du coup, et on est ralenti. C'est loin. Oh, c'est super loin. Ouais. Il n'y a pas d'autre hyper sur la map. Ah ouais, ouais. Par contre, tu as droit sur l'île. Avec plein de ça. L'île en forme de queue. Ah,
Ah, on est obligé de monter tout là-haut. Ouais. Alors là, je sais pas comment réchapper à ça, mec. Pas en plantant le harpon à droite déjà. Vas-y, un capitaine là, levez toutes les voiles, hop la carte. Bon. Deux crânes. Non, c'est pas un cendrier. C'est un roi courroucé. Ah mince. Oh, y'a un peu de loot. Oh, tiens, ils ont de la viande cuite. Ouais, ils ont des trucs intéressants dans leur coffre. Faut venir m'aider. Pas d'épée. C'est quoi qui tire un subran? Ah, ça tue pas les poulets. Le bâton. Je suis laissé. J'ai pas mis la cuillère. Voilà. Il y a plein de poulets par là. Vas-y, viens là, petit poulet. Aurel ? Ouais, j'ai entendu. Salut les gars. Salut. Hello. La forme ? Ça va, bro ? Ouais, bien, et toi ? Bah et ouais. Ça va. C'est pas du la... coup, ça fait du poulet cuit. C'est pas la partie la plus palpitante qu'on ait fait, mais. Ah bon ? La merde. On s'est fait. En fait, on a voulu faire du PVP, mais on n'a pas le niveau, quoi. Oh, mais c'est... Oh, c'est pas ouais. Trop mal démerdé. Ça va, c'est pas pire, hein. Ouais. On s'est pas fait humilier, quoi. Il y a des gros gens le soir comme ça, à cette heure-là. Tu vois ? Bah ouais, c'est clair. Mais là, ça faisait une heure et demie qu'on courait après deux enfants. Ouais, tout à l'heure, on a couru pendant, je sais pas, 10 plombes après deux gars qui étaient vraiment trop nuls. En vrai, ils étaient en soupe ? Ouais. Ouais. Moi, j'aurais mis des headshots de loin 36 000 fois. Et toi, ta soirée ? Moi, tranquille. Les petits vont bien ? C'est encore des enfants, là ? Ouais. Je veux plus des mains de jeu le jeudi, du coup, maintenant. Tu veux pas les mettre à ça ? On lui a déjà dit. Ouais, dommage. Mais l'autre fois, je leur montrais le stream justement. Pour elle, les autres coups, ça sert à rien de faire cuire un chemin. Je sais. On va pas refoutre le feu au bateau. De la bonne noix de coco cuite. Ah, qui est le bateau ? Yann. Sérieux ? Oui, je crois. Fallait le dire plus tôt. Mais Aurel, fais pas ça. Bah c'est celui d'Yann du coup. Non mais on s'en fout, on va pas couler. Bon, on va pas couler, il va bien sauver son bateau quand même. Non mais fais pas ça maintenant. Tu feras ça après, fais pas ça en pleine game, on a tout le loot sur le bateau. Oh là là, on peut plus rigoler. Hein. Yann, on est parti Yann. Ok, ça va alors, si tu sais. Mais quoi comme quête ? Il y a le bateau qui brûle ! On a fait la quête de la sirène. Ah, le crâne là ? Ouais, en fait, on a coulé un bateau qui avait la clé sur lui. Du coup, on a dit, bah vas-y, on fait la quête. On a fait la quête et on a trouvé le coffre, on a récupéré le crâne et là, on va le livrer. Mais il vaut cher, hein, le coffre de sirène. Ah, justement, ouais, oui, mais Aurel, il est trop chaud. En fait, c'est les pélos qu'on a coulés, j'étais en train de faire la quête, on a récupéré la clé, du coup on l'a fini. Excellent. Je vais voir un peu la gueule du bateau, hein. Il est moche. Ouais. Et puis il a morflé le bateau. Alors qu'il était tout neuf tout à l'heure. En plus, il y a une malédiction, je sais pas, il y a un truc chelou. C'est la sirène, ça. Ouais. On est ralenti. Ça te ralentit un petit peu, ouais. En plus, il y a un abruti qui met le feu dans la cale. Il y a encore le feu, non ? On va être privé de boulets de KO. Bah, il vient d'en prendre. Attends. Je dois ramasser.
vous voulez, je vous en donne un. On peut faire du volet avec. Hein ? Il y a un sloop à manger là. Il y a de la barbaque dans les caisses. Un sloop à manger ? Ouais, ça c'est un coup à. Ça c'est un truc fantôme. Ouais, il y en a un qui est cuit dans la caisse du dessus. Mettez-vous bien en live parce que là, si on commence à perdre notre loot, on va être déçu. Ouais, ça va. Ouais, il faudrait encore un bout de viande pour que ce soit bien, mais... Bien sûr, on avance pas. Attends... Bah, on est face au vent... Enfin non, ah non, j'ai plus rien. Mais... Ah non, non, pardon. Tout à l'heure, j'en avais vu un dans un tonneau, mais je pense qu'il a été bouffé depuis. Non, pas à droite, un poil plus à gauche, ouais, mieux. Vas-y, on va s'arrêter sur l'île, là. Levez les voiles. Ça, on va faire l'émission qu'il y a sur l'île. On lève toutes les voiles. Putain, ça se lève tout doucement. Ouais, ouais, parce qu'ils prennent plein pot. Quand ça prend bien le vent, ça va plus doucement à l'élever. Sauter sur l'île, on va récupérer ce qu'il y a. Oh. C'est lequel qui m'a balancé un pseudo? C'est moi. Pas moi. Je te lance un défi. Y'a pas de bouteille à la mer là? Ah pardon. Désolé. Autant pour moi. T'as une dyslexie avec les touches de ton clavier. Ouais, je voulais vérifier que c'était bien le bon bouton. Et que dalle sur style B. Hein ? Un coffre ? Quel coffre ? Bah, il y a celui devant lequel t'étais. Oh, mais il est à moitié vide le coffre, y'a rien c'est dedans. C'est pas grave, ça fait monter l'émissaire. Bon ? Non, mais prends pas ce cadeau, prends le coffre. Ah bah. T'es, mais en fait, nous on s'en rend pas compte de Red comment ils jouent. Putain, les gars. il est sourd et miro, tu t'en es bien rendu compte. Les gars, vous avez handicapé dans le groupe là. Hein. Vas-y, récupère-le et on y va. Moi je voulais pas prendre la caisse, peu d'artifice, ouais, ça sert à rien. L'émissaire. Ouais, mais c'est juste pour l'émissaire. Attends, je vais remettre les trucs dedans maintenant. Caisse. Après, tu peux lancer des feux d'artifice, c'est rigolo. Ah oui, je sais, c'est joli. Ouais, si je peux pas envoyer ça sur les camarades, ça va. C'est quoi ça? C'est une caisse de boulets. Ouais, c'est bon. Gardez des boulets, on va attaquer le. C'est bon, j'ai des boulets. Et n'empêche, ça vaut bien la peine les cuissons de poulet. Ah oui, bah oui, carrément. T'as vu, tu meurs pas tout de suite quand je te balance un truc du chaos. Non, alors, ça change pas en fait, t'as toujours la même vie, c'est juste que si t'arrives à rester avec pas beaucoup de vie pendant quelques secondes, au bout d'un moment ça la recharge. Ok. Mais si tu te prends deux balles de snipe d'affilée, t'es mort quand même. Ou si tu te prends. Plus de vie avec. Non, ça prend pas plus de vie. C'est juste qu'au bout de quelques secondes, ça te recharge. Sans que t'aies à bouffer. Ah, je suis en terre à manger, c'est ça, mais faut attendre un moment. Faut bien ça fait pas tout de suite, tout de suite. Okay. Ouais, c'est le temps que tu te renourrisses pour pas le user ta défense. Ah bah je savais pas du tout. Ah, tu pensais que t'avais double vie? Bah ouais, t'as un peu plus de vie quoi. Non. Eh bah non, trop facile sinon. Il y a combien de bateaux là-bas? Non, c'est vide. Mais c'est pas un... C'est un bateau pirate, ça? C'est un bateau fantôme, ouais. Fantôme, ouais, pardon. Oui, pirate. Squelette. Plutôt. Puis juste à côté, il y a les bateaux fantomatères, hein, les galions. Ouais, bon, on va pas aller les faire. Non, c'est relou. Oh, puis on en est où par rapport à la quête du crâne du champ de mes couilles? Bah, c'est à gauche, là. C'est juste après. Pardon. Il y a pas Malik qui est venu sur le stream, Ron ? Hein, quoi ? Malik, il est pas venu sur le stream ? Non, je l'ai pas vu. Malik qui venait ce soir, qui voulait regarder. Même si je jouais, je lui prends, mais il fallait quand même qu'il vienne voir. Bah après, peut-être qu'il est passé, mais qu'il a pas parlé, hein. C'est possible, ouais. Parce que... Bon, après, putain, faut... on se barre, il y a un brigue. Il faut que tu sois quand même, enfin que tu aies un compte Twitch, etc. pour pouvoir mettre des messages, quoi. Bon, du coup, on va vendre notre crâne.
Ouais. Et du coup, on se barre. Il y a une brigue. Ouais, il y a un brigue juste derrière. Ouais. La brigue, ils se font le fantôme. Ouais, bon, on va se barrer. Est-ce que... Filoutin. Non, c'était... Ah, fait chier. Non, c'était pas ça. Nous, on le prend en chasse, et le problème, c'est qu'on est là. Ouais. On va y avoir droit. On va voir. Ah, par contre, ils ont coulé la sloop, j'ai l'impression. Déjà on... Là, on est loin de tirer dessus. Ils sont déjà sur nous. Bon, notre pièce de stockage. C'est le moment où on pièce de munitions. Aurel, t'essayes de t'alerte là, s'il te plaît. Aurel, ouais, reviens avec nous, s'il te plaît. Quoi ? Prends de la ritaline. Hein ? Prends de la ritaline là pour attaquer nous, on va se faire aborder. Je cherche les feux d'artifice, moi. Ouais, bah. Non, Aurel, non, bah lâche ça. Qui c'est qui a planqué les feux d'artifice ? Yann, dès qu'on arrive sur l'île, tu prends le crâne et tu sautes et tu vas vendre. Ouais, mais. Non mais arrêtez de lui tirer dessus si, ou répare comme tu le sens. Ouais bah écoute, on va voir. Pour l'instant dessus. Mais ils vont bien mettre beaucoup plus vite que nous wesh. Ah bah oui, t'as pas vu comment ça. Ouais. Ouais tu me prends l'eau là. Ah là c'est bon. Non mais j'y suis. Faut pas croire que je suis efficace en vrai. Bah sauf pour ramasser des feux d'artifice mais... Ils sont devant nous. C'est quoi ça? Putain ils vont nous couper la route. Oui Oh putain ils m'ont one shot. Youhou. On prend tard il faut... Ah merde. Revenez. Bro, bon ça j'ai déconné. Mais t'as quoi dessus ? T'as pas sauté du bateau ? Bah je voulais pas sauter du bateau. Bah justement. Ah ouais tu les auras pas, ils sont trop loin. Bon ça je les aurais pas. Hop, headshot. Tu l'as vu celui-là ? Regarde le gars il est mort. Son pote il est en train de le raise. Nick je répare, reprends la barre. Ouais je suis à la barre. Si vous voulez vous casser, c'est maintenant, quoi. Enfin, on pourra pas se barrer, hein, de toute façon, mais... Si tu montes comme ça, Aurel, sur le bateau, le mieux, c'est de mettre l'encre. Désolé. Ouais, faut que tu mettes l'encre. Bah, saute leur dessus, là, tant que... Ouais, mais j'ai trop fait le con, là. J'ai sauté comme un con dehors. Ils sont loin, ils sont loin. Non, mais il a sauté, il était dessus, hein. Il était chez eux. Ah, mais j'étais dessus, hein. Mais j'ai sauté en dehors, hein. Je fais de la merde. Yann, tu sautes sur l'île avec le crâne, pour le vendre? Bon après c'est j'ai quand même buté un gars hein. C'est ici attends, vérifie mais je crois oui. C'est dommage qu'il n'y ait pas les nombres de morts. C'est là. Le nombre de kills. Ouais Gigo. Petit rousset. Mais je crois pas que tu l'aies tué rien. Si, je suis sûr. Attends, je te mets plus proche. Tu peux regarder sur, sur la rediff, il y a croix rouge et le ouais. Après tu vois l'âme qui vole au-dessus du gars. J'avoue, là on remarque, c'est pas suffisant. C'est là. Mais du coup, ils nous suivent plus. Oui, j'ai vu, ils sont barrés. Bah ouais. On est trop chaud. Bon, j'espère que je vais trouver le pélo là. Aurel, saute canot-toi sur l'île et ouais, cherche attends. Un pélo à vendre le truc. Faut chercher quoi ? Un fantôme avec un masque. Ouais, c'est un PNJ qui a un masque un peu comme un masque de Venise. Je sais pas là, il y a quelqu'un qui parle mais je sais pas où c'est. J'entends un PNJ qui parle. C'est où ? J'arrive pas à déterminer d'où ça vient. Là ? Putain mais ça vient d'où cette voix de merde ? En dessous. Aurel, est-ce que tu peux buter les squelettes qui sont derrière moi s'il te plaît? Je peux pas me les faire. Là il y a une voix qui parle en dessous. Elle est en bas tu crois? Je sais pas. J'entends quelqu'un parler. Ouais bah j'ai trouvé. Elle est en bas là. Ah, coucou, ouais, je... coucou.
d'ailleurs toi. Oh ouais. Ah, faut que je lui parle. Putain. Non, non, mais c'est... faut que je lui parle. Faut plus le coup, moi. Bah, attends, t'es où? Je sais pas où t'es. Ah putain, il y a du monde sur moi. Bon bah, ils sont morts. Hein. T'es où? Tu peux leur tirer dessus avec le crâne, Yann. Super. Ah bon. Bien joué. Pourquoi t'as fait péter un tel? Tu peux me raid? Ouais. Pourquoi j'ai décédé C'était juste après. Il y a quelqu'un qui nous a tiré dessus. Pourquoi non, il y a des gens, hein? Il y a des gens, ouais. Ah oui, il savait que c'est sur ce style-là. Vous avez de la chatte de vendre avant. Comment ça se fait que t'as pas réussi à me raise moi-même? Je me suis fait tirer dessus. Hein? Il y a les autres gars, ils sont sur l'île. Ah bon? Bon bah du coup on a réussi à vendre au bon moment. Ouais. J'ai pas vu les sous que ça a fait. Normalement c'est quoi, 50 000 hein? Ah bah ça s'est joué à une seconde hein. Moi j'ai vendu et boum ça a pété. Et eux ils savaient où fallait aller. Ouais. Comme ça tu envoies la thune. Ouais bah j'ai pris 150 000. Par rapport au début de la partie. On a pas pris 100 000 si. Bah depuis le début de la partie si. J'avais 3 millions. Ouais si ouais. Ah bon, putain les mecs ils doivent être deg là. Ah ouais là ils doivent être deg. Ouais. Ils ont buté et ils ont rien. Après on a pas vu, ça se trouve c'est un squelette qui nous a tiré dessus hein. Non non on a vu pas. Ouais, j'ai pas vu. Ça, j'ai pas vu ce que c'était. On est pas au Reaper là? Tout droit. Moi je pensais qu'on y était. Bah attends, mais où, c'est où? J'ai déjà bombardé hein. Vous êtes émissaire? Non, mais l'île elle y ressemble. Émissaire. Ah non, 3. 3 ou 4? 3. 3. On est 3,5, pas 3 quarts. Ouais, 3, 3 quarts. Bon, on peut encore faire des bricoles avant d'aller vendre. Ah, mais non, c'est minuit. Ouais. Ouais. Moi je vais pas faire de bricole encore bien longtemps. Hein. Ouais, bah pareil, on va vendre un pied de vue. Ouais, j'arrête pas de bailler, ça fait une heure que je baille. Tu es à quelle heure ce matin? Bah, pas spécialement. Ah, si, quand même, ce matin. Non, ce matin je suis levé vers 7h. Hein. Je pense que c'est pour ça. GG! Bravo, Nils. On peut mettre le feu au bateau maintenant? Ou pas? Non. Pas encore. C'est encore trop tôt. Allez, va chier toi là-bas. T'es visé juste et en fait, vu que les voiles sont à fond, ça te fait dévier un tout petit peu. C'est la deuxième fois ce soir. Vagues, hein. C'est la deuxième fois ce soir. Moi, je pense qu'il a picolé. On s'est pris une, ah ouais, s'est pris une île de plein fouet tout à l'heure. Ouais. Un peu. Au moment, on a picolé les mecs aussi. Ah ouais, mais bon. En plus, c'est une petite tempête là, Karim. Ouais, pile en face. Ouais, en plus on n'a pas, de bol avec la foudre. Et on est au repère dans 30 secondes. En même temps, si tu gardes ton épée, c'est normal que tu traverses toi. Ah, moi j'ai pas d'épée donc. Avec ton arme, c'est pareil. Ah bon? Ah oui, avec ton arme. Ah, moi j'ai toujours mes armes avec moi. Il y a quelqu'un qui peut me dire si sur la carte il a toujours le verre devant nous? Là je vous pète rien. Ah non. Ouais, il a trop envie de cramer. Je retourne. Demi-tour, Nick. Demi-tour par la droite. Derrière? Ouais, c'est derrière nous. Ah là là, Mick il est en train de casser le bateau. Non, non, là c'est pas le bateau. Il est en train de casser le bateau, il faut réparer. Ah, par contre, il faut réparer. Ah là là, heureusement qu'on est là pour sauver le bateau, quoi. Toujours pas bon. Ah non, je tourne toujours avec 4 points. Oups. Je tourne trop là. Voilà, faut que tu reprennes. On se fait tirer dessus. C'est toi, les voiles. Bah non, écoute. Toutes tes voiles, toutes tes voiles. Tout de suite, c'est moi quoi. Toutes. Les voiles, Aurel, les voiles. Pardon, mais je suis en train de recharger là. On s'en bat les couilles. Aurel, les voiles. J'arrive. Trop tard, on va taper.
On l'a rarement vu autant à la masse, Aurel. Ah, mais Aurel, t'es fatigué, c'est sûr. Arrête, tu laisses cette. Ouais, j'en ai marre en fait. Je suis mal assis, du coup, je perds patience. C'est pas de notre faute, ça. Bah, non, mais vous êtes les seuls à être là, du coup, c'est vous qui payez, quoi. Oh, super. Bon, bah, on va faire un Tipeee pour que tu t'achètes une chaise. Non, non, ça pourrait, j'ai pas la place pour mettre une chaise. Ouais, sur un ballon. Le truc, c'est qu'au bout de 2 heures, j'ai mal au cul. En vrai, si j'avais vraiment de la place, je mettrais une chaise, tu vois. Mais là, j'ai pas la place pour une chaise. Bon, on peut aller vendre, là ? Ouais. Allez. Donc, un crâne encore, allez vendre. André, je peux pas le... Ah, putain. Ah putain, ça vend pas. Voilà. C'est quoi cette merde? Ah, mais c'est une caisse de stockage, non? Non, c'est une caisse de boulet, mais il faut qu'elle soit pleine. Ah, ok, ouais, ça sert à rien. Bah, si elle est pleine, tu peux la vendre. Hein. Ouais, ouais. On a assez de boulet pour la remplir. On est en train de couler, les gars. Et comment et ça se fait? Je fonctionne du monde là. On coule. Je sais pas, mais il y avait 3 tonnes d'eau dans la cale. Il y avait trop? Non, peut-être c'est juste la pluie. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a la pluie. Hein. Non, s'il doit y avoir un trou, ça fait glou 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 glou. Ah ouais, c'est pas impossible que j'en ai oublié. Hein. Non, mais ça aurait eu l'air con qu'on vende et qu'on perde notre fanion. Parce que juste on coule alors qu'on est garé. Mais après le fanion, on peut le récupérer et le vendre à l'autre, non? Non, c'est un bateau cool, tu perds ton pourcentage, tout. D'accord. Ah, c'est nul, quoi. C'est moyen. Ma caisse de munitions, vous la vendez pas? Ah, du coup, il y a plein d'eau dans la cale. C'est pour ça que tu fous le feu, c'est pour faire évaporer? Bah non, c'est pour... comme ça, l'eau qui est dans la cale, elle est utile. S'amuse comme on peut. Ah, effectivement, il y a un trou dans la cale. Et du coup, tu l'as rebouché? Ouais, c'est bon. Il n'y a plus qu'à voter. Bon, tu vas chercher l'émeraude, Zike? Ouais. Tu vas chercher quoi? Oh, c'est un coffre. Ok. T'as vu l'avant du bateau? Ouais. C'est quoi ce truc? T'as trouvé où cette proue? C'est Aurel. Ah, c'est la mienne. Mais elle vient d'où? Bah, je sais pas. Des Chinois. Des Chinois. Alors, attends, bouge pas. Tu viens me chercher? Bouge pas, c'est de la part des Chinois. Je les ai touchés en plus. Allez, c'est plus qu'à vendre. J'ai déjà voté. Voté? Qu'est-ce qu'on vote? Ouais, t'inquiète. Pour national. Te ban. Ok. Ah, oh, je vote pour. Je m'auto-ban. Bah tiens, d'ailleurs. Attends, je suis en train de le faire. Je sais ce que les gars, ils sont en train de me ban. Allez, on va voir ça. Oh non, voilà. Oh non, ils m'ont mis en prison. Oh non. Oh non. On va te montrer notre cul. Alors attends. Maintenant tu vas cramer dans ta cave là. Comment ça? Oh, et en plus, j'ai comment ça? Mais c'est pas juste. Mais aussi il crame. On a dû lui vomir dans ton seau, lui fait son. Ah ouais, c'est une idée. Oh là 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 là. Ah, attends, j'ai une chope de bière. Ah mais y'a pas de bière. Ah, fait chier, je peux rien faire, j'ai même pas des trucs pour vous tirer dessus. Ah, c'est con hein. Ça va pas. Ah, j'ai plus rien, j'ai même pas un truc à leur balancer quoi. Voilà, je te libère. Ouais, ça va. Fallait pas.
Si, je l'ai libéré par la mort. Fallait pas. En même temps, je suis assez d'accord avec Mick, étonnamment. Ah merde, j'ai pas beaucoup de boulets de flamme, moi. En vrai, il faudrait le friendly fire. Bah y'a le friendly fire avec tes boulets de flamme. Oh non, je suis encore dans la prison. Tu vois, j'en étais sûr qu'il allait rester dedans. Je m'en fous, j'ai de l'eau cette fois. Eh non, tu peux même pas... Ah, on peut pas voter pour te libérer, c'est écrit le membre d'équipage doit rester offert un minimum de temps avant de pouvoir être libéré. Bah la dernière fois on avait eu ça, hein. Ouais. Ah ouais, parce que moi j'y étais resté un moment, c'était relou. Ouais, t'étais resté longtemps, t'as trouvé ça chiant, ce qui paraît logique, hein, de trouver ça chiant. Mais est-ce qu'on arrive à mettre deux personnes? Ça, j'ai voté pour mettre Mick. Vas-y, Aurel, vote pour mettre Mick. Aurel, vote. Bah, je peux pas voter, moi. Ah ouais. Bah non. Tab. Bah Mick, vote pour toi. Comment ça, Tab? Je peux pas, je vais pour moi. Non, Tab, y'a pas, non? Non, échappe. Non, c'est échappe, membre d'équipage. Enfin, mon équipage, et puis tu cliques sur le pélo. Autre équipage, mon équipage. Mon équipage. Tic-mic. Voilà. Gestion de l'équipage. Quoi? Non, tic-tic-mic. Ouais. C'est bon, j'ai pu libérer... Le premier truc. D'accord. Tu peux libérer Aurel. Putain, je savais pas ça. Il a voté Mick, hein, du coup. Bah bon, tiens, on va te noyer. Ah bah ça va mieux. Il y a un trou dans la cale. Il était Vous voulez pas réparer? Si, bah je répare. Ok, je répare. Ah bon bah, on va devancer. Oh les mecs, le premier qui balance un saut de vomi sur quelqu'un d'autre attaqué ou c'est... Ah bah c'est pas moi. Hein. Tout de suite. Tout de suite. Bah ça va. Si t'es pas l'un, c'est l'autre. Hein. À mon avis, ton saut de vomi, t'es pas prêt de le jeter sur quelqu'un. Hein. Ouais, c'est t'es bien parti pour perdre. Ouais, ah putain. Mick, non. En plus, il se barre comme un traître après. Grave. Ah, je vais rechercher des coffres pour voir si j'ai d'autres denrées. Mais il n'y a plus rien. Ah merde, moi ça va, on a plus d'angle. Il est pas pété le bateau? Yann, t'as réparé? Moi je pense qu'il est en train. Hein. Ah, il est en train de se barrer surtout. Je sais pas là. Ah non. Ah, il est carrément trop loin en fait. Ah oui, il est fou de réparer le bateau. Allez, envoyez la sirène. Allez. Non, reste là où t'es. Ah, il est parti. Oh là là, il a rage kick. Bah, surtout, il est tioté. Bon. Ben, écoutez, merci, hein. Ouais. Cool. Ouais. Et puis... Je sais pas si on a progressé, mais... Non, aujourd'hui on a régressé. Pas, non. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on ait fait de grands progrès, mais bon. Pas grave, au moins on a essayé. Oh, au moins c'était fun. Enfin, moi, je travaille bien meilleur que d'habitude, hein. Ah. Enfoiré. Quel connard. Voilà. Avec un peu de retard. Bon allez, bonne nuit les gars. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit les gars. Bonne nuit. Tchou. Oui, oui. Non, qui est trop chaud. C'est clair. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao. Voilà, le jeudi de l'agent guild se termine. J'espère que ça vous aura plu. Merci Kayan d'être passé, d'avoir regardé le stream. Et merci à ceux qui sont, aux autres qui sont passés, qui sont pas forcément, qui ont pas forcément laissé un petit message. Et je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.